Thank you.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre séance de relevé. Je vous prierai de bien vouloir prendre place dans le silence, s'il vous plaît. Ce soir, on va se motiver et finir le budget. Madame Dain, vous pouvez procéder à l'appel. Bonsoir. Albanesi Sébastien. Amigué Céline. André Jérémy. Ansermet Serge. Beau Francis. Beaucir Alexandre. Bérardo Conigno, excusez. Berrocal Sabrina. Bertolé Marc. Berchi Michael. Berchi Patrick. Besson Dominique en retard. Bonjour Nicolas. Bonjour Yvette. Beauvais Olivier. Branquigno Thiago. Bravon Loïc. Buti Pierre. Caruso Eveco Emmanuel. Carteron Mariana. Chiffel Pierre. Christine Jérôme. Colin Adrien. Cornu Laurent. Dellenbar Laurent. De Régibus Juliana en retard. De Stéphanis Marie-Antonia, excusez. Despot Fabienne en retard. Dor Sarah. Dubé Marcel. El Khalifa Karim. Ah, vous êtes là. J'allais dire en retard. Ferland Carole. Fleury Patrick, excusez. Foster Hélène. Furst Pierre-Alexandre. Gandard Hélène. Garçon Nathalie. Gavin Grégoire. Gavin Monique. Gorayeb Alexandre. Gorayeb Marianne. Gorayeb Oliver. Gigon Caroline. Gontier Alain. Guiguer Enoch. Hermajar Philippe. Hofstetter Koya. Ourier Marion. Yamartino Anna. Keller Peter. Lavonchi Laurent. Légeré Jean-Daniel. Lerche Juliette. Lopez Elodie. Lucarini Valérie, excusez. Marinelli Victor. Marquez Sandra. Mathis Vincent. Méon Ambroise. Métro Sophie. Meyer Carole, excusez. En retard. Minacci Joël. Modou Stéphane. Mollet Claire. Molia Stéphane. Nzita Hervé, excusez. Hoguet Eric. Monsieur Hoguet. Omena Henriette. Paliche Colin. Perrier Mélusine. Pilet Brian. Piou Corinne. Piou Guillaume. Plumet Marc. Riez Julien. Rizzello Martino. Roduit Jean-Marc. Ro Christian. Remeur Karine. Sana Giorgi Fabrizia, Sauvenet Jacques, Schobinger Bastien, Schuller Jimmy, Simonane Francine, Stéphanidis Antoine, Stioul Pierre-Gilles, Stubi Antoine, Tolusso Clément, Truffert Fabien, Valotan Alexandre, Valotan Frédéric, Verdant Ariane, Vido Mathia, Vincent Jennifer, Vladjik Sacha, Von Gunten Diane, Vali Colin, Vali Tom, Vider Nicola Myriam, excusez, Zonka Valérie, alors je crois que j'ai personne. Monsieur Hoguet, non, toujours pas. Bon, on verra. Bien. Je vais revenir brièvement sur le point des correspondances. En effet, une lettre a été oubliée la semaine passée parce qu'elle m'avait été mal adressée. Je remercie M. Schiffel qui s'en est heureusement rendu compte et m'a permis de résoudre le problème. Donc, Mme Mayer et M. Ming, qui sont respectivement présidente et vice-président de la Société des hôteliers de Montreux-Vevey,
remercie la ville d'avoir augmenté la subvention du Festival Images de 90 000 francs. Je précise quand même que le budget et donc la subvention n'ont pas encore été votés. Madame Mayer et Monsieur Ming insistent sur l'importance de la vie culturelle veuvezane pour le secteur hôtelier et la lettre sera jointe au PV. Voilà pour la correspondance. Au niveau des communications du bureau, j'ai rencontré Monsieur le Préfet lundi et il s'avère que la manière dont nous traitons les motions, postulats et interpellations à Vevey n'est pas tout à fait conforme à la loi. Chaque objet doit être porté individuellement à l'ordre du jour de sorte à bénéficier de son propre point et doit être envoyé au conseiller avec les autres documents avant la séance. De concert avec la municipalité, j'ai donc décidé de changer la manière dont nous procédons dès aujourd'hui. Donc pas de manière rétroactive, mais pour les objets qui seront portés à l'ordre du jour de la prochaine séance. À l'avenir, à chaque fois que vous souhaiterez déposer une motion, un postulat ou une interpellation, il faudra me faire parvenir le texte au plus tard 10 jours avant la séance et pensez s'il vous plaît à mettre Madame Dain et Madame Perrin en copie. L'objet sera porté à l'ordre du jour en bonne et due forme et votre texte sera envoyé à tous les conseillers avec les autres documents de la séance. Cette nouvelle manière de procéder présente 3 avantages. Premièrement, elle est conforme à la loi, c'est déjà pas mal. Deuxièmement, nous pourrons mieux nous préparer puisque nous connaîtrons les textes en avance. Et troisièmement, les motions, postulats et interpellations seront mieux réfléchies et il y en aura peut-être moins, ce qui évitera de surcharger les services. Alors, le but, c'est évidemment pas de vous museler, et si vous avez des questions pressantes, il y a toujours le point question à l'ordre du jour. Et si le texte ne nous parvient pas dans les délais, comme le dit M. Berchi, il sera simplement porté à l'ordre du jour de la séance suivante. Voilà pour les communications. Nous allons maintenant reprendre l'ordre du jour au point 12, budget communal pour l'année 2023-2022, P29. Alors, on va boucler ce budget ce soir et j'aimerais que nous allions un peu plus vite que la dernière fois. J'éviterai donc de donner 2 fois la parole à la même personne, à moins que tout le monde n'ait déjà eu l'occasion de s'exprimer au moins 1 fois. Si le débat s'enlise ou tourne en rond, je demanderai aux groupes qui ne se sont pas encore exprimés s'ils désirent s'exprimer, puis je clôrai la discussion et nous passerons au vote. Le point 28 du règlement me laisse toute latitude pour diriger le débat et me permet aussi de refuser la parole si je le désire. J'estime quand même que ma manière de procéder est tout à fait juste puisque je donnerai la possibilité à chaque groupe de s'exprimer au moins 1 fois et je me fais assez confiance pour être impartial. Et si vous trouvez que mon traitement est inique, vous pouvez utiliser le point 104 à alinéa 6 du règlement et formellement m'adresser en blâme. Voilà. Donc, nous allons... Je vais récupérer ça. Merci. Oui, ben écoutez, il faut que tout le monde sache comment attaquer son président le cas échéant. Alors, nous allons reprendre avec les comptes 2961 à 2962, économie, tourisme et vignes, vignobles et caves. Monsieur Rizzello, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Monsieur le syndic, mesdames les municipaux, messieurs les municipaux, chers et chers collègues, je voulais juste faire un amendement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, un membre de la commission des finances s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans le cadre des chiffres fournis par le boursier communal. Pour être plus précis, l'amendement technique concernant le compte 760-3655.05 qui prévoit une diminution de 51 600 francs, si je ne m'abuse, 51 600 francs, n'a pas été pris en considération dans le calcul des chiffres, ce qui veut dire que les conclusions du rapport sont les suivantes. Elles ne changent pas, si ce n'est concernant l'autofinancement qui passe de moins 166 100 francs à
moins 114 500 francs. C'est un détail, mais ça valait la peine de le mentionner dans la mesure où on se rapproche toujours un peu plus du zéro. Voilà. Monsieur Schiffel, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers amis. Il me tenait à cœur d'intervenir sur ce point avec les réflexions suivantes, puisque j'ai effectivement déposé un amendement s'agissant du poste des vignerons. Depuis que j'ai 20 ans, c'était en 77, l'antépénultième fête des vignerons, la ville a dépensé environ 25 millions en pure perte, c'est-à-dire a réalisé 25 millions de pertes grâce aux vignobles que nous possédons. Et puis, je me suis dit, dans la frénésie de soucis d'économie qui semblait mobiliser une partie de cette assemblée, qu'il était intéressant de se livrer à une réflexion sur cette question, quitte à ce qu'elle porte ses fruits, si j'ose dire, cette année ou dans les années suivantes. En effet, on a vu qu'on n'hésitait pas à faire porter le chapeau de nos déficits aux employés de la commune. Alors je me suis dit que peut-être on pourrait un jour se poser la question de savoir s'il est obligatoire qu'une commune consacre un demi-million à subventionner la production de vin, aujourd'hui de jus de raisin. Certes, des efforts ont été réalisés depuis le début de la législature, puisque pour la première fois depuis longtemps, le déficit global de cette institution est de moins de 500 000 francs. C'est très bien. J'avais donc imaginé de proposer un amendement réduisant d'un tiers les frais afférents à ce qu'on appelle les vignerons. C'est un seul poste au budget qui porte le numéro 3180, qui ascend donc à 326 000 francs. Et j'ai proposé un amendement pour le réduire d'un tiers. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je l'ai donné au président. Il va certainement nous le rappeler. C'est grosso modo ça. Pourquoi cette proposition ? Parce que il y a aussi des sous-sections dans la question du vignoble. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de squelettes très patinés dans le placard de la gestion de ces vignobles, qui concernent notamment la manière dont on compte le loyer que les vignerons doivent nous verser. Je ne vais pas ici entrer dans des chiffres et je ne m'en prends pas à des personnes, mais il y a beaucoup de ménages à faire et je crois que chacun à la commission des finances l'a admis. Ceci dit, dans un souci de pacification, et dans un esprit constructif, je vous annonce que je retire purement et simplement cet amendement, mais que je souhaite vivement que la réflexion à ce propos se poursuive de manière suivie et sérieuse pour la fin de la législature. La discussion est toujours ouverte sur les comptes 2961 à 2962. Y a-t-il d'autres interventions ? Non. La discussion est close dans ce cas et nous passons au compte suivant. Compte 300, bâtiments, gérance et énergie. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée. La discussion est close. Compte 351, urbanisme et mobilité. La discussion est ouverte. Monsieur Schöbinger, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Au compte 351, 30, 11 et les comptes associés 30, 30, 40, 30, 50 qui concernent le traitement du personnel, je propose un amendement de réduire de 0,8 EPT. Je laisserai le boursier communal donner les chiffres exacts, mais grosso modo, ça fait une économie de 80 000 francs. Qui se justifie de la manière suivante. Le secteur urbanisme demande 3,1 EPT, 1,2 pour la police des constructions, alors avec les mises à l'enquête liées à la rénovation des bâtiments et des panneaux solaires, c'est pas du tout là-dessus que je veux proposer une coupe. Il y a besoin, sachant que les mises à l'enquête vont augmenter, il y a besoin de ces postes. En revanche, c'est qu'on a un chef de projet en urbanisme, un chef de projet paysage et un responsable du secteur mobilité pour 1,9 EPT. Alors, on a des projets à lancer, j'en conviens bien, notamment la place de la gare, ses arrières, où il faudra du monde pour lancer les appels d'offres et suivre ces projets. Mais par contre, on a un chef de projet paysage dont sa principale justification a été de dire on en a besoin pour communiquer avec travaux. Alors moi, je me demande si ce n'est pas plus des problèmes de personnes que de compétences. Et un
chef de responsable du secteur mobilité, pour refaire différents aménagements où, on le voit ces derniers temps, c'est poser du marquage et des potelets, alors que justement, on a dit, les aménagements se traitent, ça prendra peut-être plus de temps, mais doivent être bien mieux traités que simplement du marquage et des potelets, comme on l'a pu le voir sur Paul Cérezol. Donc c'est pour ça que je propose de couper, de pas demander 1,9 EPT, mais que 1,1, libre à la municipalité de choisir où elle veut affecter parmi ces trois postes, sachant qu'on est quand même dans un souci d'équilibre, de mettre en place le petit équilibre pour nos finances communales. Rétablissons nos finances avant de vouloir développer énormément l'administration. Voilà, merci. Alors, à ma connaissance, M. de Bonneville ne pourra pas nous donner un chiffre exact ce soir, puisque les ressources humaines doivent faire des calculs ici. Parfait. Bien joué à vous. Monsieur Dormont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Jobinger, pour votre amendement qui, je pense, est le meilleur mauvais amendement que je vous invite à ne pas soutenir pour les raisons suivantes. Comme j'avais expliqué à la Commission des finances, le service de l'urbanisme et de la mobilité a vraiment réfléchi son organigramme et son organisation sur le long terme. Donc cette année, on a vraiment mis tout sur la table, toutes les compétences internes qu'on avait, et avec ça, on a pris les différents objectifs. Le plan climat, le programme de législature, le plan directeur, les futurs plans d'affectation. Et la réalité, c'est qu'on a vraiment un nombre important de projets à mener dès l'année prochaine, effectivement, qui demandent des compétences spécifiques supplémentaires. Pour rappel, en termes de mobilité, on a actuellement un 0,6 CPT, ce qui est totalement insuffisant pour traiter tous les sujets qui ont attrait à la mobilité, que ce soit le stationnement, le transport individuel motorisé, la mobilité douce, etc. etc. Cette année, notre chargé de projet mobilité a pu se concentrer principalement, effectivement, sur des aménagements plutôt provisoires, comme vous l'avez relevé. Il a aussi énormément travaillé sur les questions de stationnement. Mais on n'arrive pas à toucher tous les thèmes de la mobilité avec les EPT qu'on a actuellement. C'est juste impossible. Ensuite, concernant les chargés de projet en urbanisme et paysage, on ne peut pas dire que c'est pour des problèmes de communication qu'on engage un chargé de projet paysage. C'est faux. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un chargé de projet paysage qui est aussi en recrutement actuellement au secteur travaux. Et puis, cette compétence, on en a aussi besoin au secteur urbanisme. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est comme un architecte en bâtiment qui a des spécialisations. Il y en a qui sont plutôt spécialisés dans le projet, plutôt d'autres qui sont spécialisés plutôt dans le suivi de la réalisation, le suivi des travaux. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Il nous manque cette compétence paysage pour pouvoir intégrer les projets d'espace public sur un angle paysager dès leur conception, pour accompagner les mandataires, mais aussi pour faire des petits projets à l'interne, pour éviter aussi de déléguer un trop grand nombre de projets à l'externe, et puis de faire le lien ensuite avec effectivement le secteur travaux qui va suivre ensuite la réalisation de ces projets. Et cet EPT à travaux ne suffira pas à traiter à la fois ce qui est de l'ordre de la planification et de l'urbanisme et des défis qu'ils ont à relever dans leur propre service. M. Imhoff pourra, si jamais, en toucher un mot aussi. Et puis finalement, le chargé de projet en urbanisme, vous n'êtes pas sans savoir, vous savez très bien qu'on est en train de réviser les différents plans d'affectation qui nécessitent énormément de temps au service, qui sont aussi plus complexes que ce qu'on pense en termes de suivi. On a aussi un certain nombre de projets importants qui vont arriver via ces plans d'affectation, et on doit vraiment les suivre avec le plus grand professionnalisme. Mais la donnée qui a été donnée au service au début de l'année, c'est de vraiment réfléchir ces engagements sur le long terme
Donc pour nous, c'est exclu de revenir l'année prochaine ou d'ici la fin de la législature avec d'autres demandes d'EPT supplémentaires dans ce service. On a vraiment essayé de réfléchir ça sur le long terme pour couvrir tous les projets qui sont importants et qui sont inscrits dans le plan des investissements. Donc je vous invite fortement à refuser cette demande de baisse d'EPT pour qu'on puisse remplir nos missions et les différents programmes que je vous ai cités juste avant. Merci. Monsieur Schöbinger. Très très court pour réponse. Je comprends tout à fait vos soucis, mais je vais maintenir l'amendement. Vous avez d'un côté la volonté des services et nous on a d'un côté les finances à équilibrer. Nous proposons un choix à ce conseil. Maintenant sur le fond. C'est vrai qu'il faut, pour mener des projets, énormément de compétences. Si on fait aujourd'hui un chef de projet aussi, il faudra peut-être un dessinateur génie civil demain. Il faudra d'autres compétences et la compétence dont tout ce métier est énorme. Alors si je n'ai pas l'impression qu'on va vouloir créer un bureau d'ingénieur à l'intérieur de la ville, on n'a pas la masse critique pour le faire. S'il y a des projets à mener, le secteur privé existe aussi. Merci. Madame Lopez. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chère municipalité, chère assemblée, au nom du groupe Décroissance Alternative, je vous invite aussi vivement à ne pas soutenir l'amendement qui est proposé par Monsieur Schöbinger. Je crois que en matière de mobilité et d'urbanisme, c'est des choses qui sont centrales si on veut d'une part mettre en œuvre le plan climat et d'autre part contribuer à avancer sur le chemin de la réduction des émissions de CO2. Hein. Je rappelle que la mobilité, si on regarde les derniers chiffres qui ont été publiés par le canton, c'est un des domaines sur lequel on a vu une augmentation des pourcentages d'émissions de CO2. Donc du coup, si on veut travailler sérieusement là-dessus, on a besoin de compétences pour mener des projets sérieux. Donc je trouverais, en plus, il me semble que ces dernières années, on a eu pas mal à entendre, tant de la part de la population qu'au sein de ce conseil communal, des réclamations, des idées ou des critiques aussi par rapport au thème de la circulation, au thème des plans d'affectation ou de l'aménagement urbain. Je pense du coup que c'est l'occasion de se donner les moyens vraiment de prendre ces problématiques-là à bras-le-corps et puis pas de se retrouver à devoir ou reporter des choses qu'on pourrait faire assez rapidement ou de se retrouver avec des choses qui sont un peu branlantes ou bricolées et puis sur lesquelles on devrait de toute façon revenir ensuite en réinvestissant des fonds. Donc pour ces raisons, je vous invite vivement à ne pas soutenir cet amendement. Merci. Monsieur Imhoff. Merci, Monsieur le Président. Chères conseillères communales, chers conseillers communaux, j'aimerais ajouter encore un petit mot par rapport à tout ce qu'il y a dans le plan des investissements. Quand on refait des routes, quand on continue à faire du séparatif, il y a des tas d'espaces qu'on va toucher et on a deux choix. Soit on ouvre, on fait un trou qui fait juste la taille des tuyaux, on remet dedans et puis on goudronne. Ou alors, au moment où on ouvre, on a une réflexion avec les autres services, puis on ouvre plus large. Et du coup, on se dit, quand on rebouche, on essaie de faire un aménagement qui tient la route avec un peu de dégrappage ou autre. Mais c'est en fait, c'est ça ce qui manque, c'est pouvoir dessiner ces petites choses et pas sans arrêt mandater des petits bureaux ou des bureaux pour faire des petits dessins de ce type-là. Madame Gigon. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames. Bonsoir, Messieurs. Enfin, moi, je voulais juste signaler que le service de l'urbanisme et de la mobilité, en termes de traitement du personnel, avec ce poste en plus, c'est même pas 4 fois le traitement du personnel pour le cimetière et le centre funéraire. Et c'est exactement 4 fois le traitement du personnel pour la Chenot, pour les vacances des écoliers. Donc finalement, c'est un service qui est assez peu doté. Puis j'inviterai Monsieur Schöbinger à être un peu conséquent. Au dernier conseil concernant le plan climat, il a proposé à la ville de ne pas se doter de sociologues pour faire le plan climat, mais bien d'ingénieurs. Et bien voilà. Hein. Et puis je pense que l'urbanisme et la mobilité va s'occuper justement, de déployer le plan climat notamment. Voilà. Madame Zonka.
En micro pour Madame Zonka, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les municipales et municipaux, chers collègues. Je voulais juste réagir aux propos de Monsieur Schöbinger. Vous parlez d'un choix à faire pour équilibrer le budget, mais en fait, ralentir les projets en cours ou limiter leur fonctionnement, ça a aussi un impact sur les finances. Aujourd'hui, la ville, elle subventionne les privés pour qu'ils puissent rénover et notamment améliorer le rendement énergétique de leurs propriétés. On a souvent entendu des plaintes sur la lenteur envers la police des constructions. Étant donné que la ville se lance dans une rénovation importante de son bâti, ce qui est tout à fait en accord avec son plan climat et l'urgence climatique décrétée ici par ce conseil, un EPT supplémentaire n'est pas superflu. Donc pour ne pas ralentir les projets en cours, le groupe des Verts vous demande de ne pas accepter cet amendement. Merci. Monsieur Dormont. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste réagir aussi par rapport à la remarque de Monsieur Schöbinger et du secteur privé. J'entends bien, on a bien l'intention de faire travailler le secteur privé, évidemment, qui nous amène des compétences qui sont complémentaires. Cela étant, pour donner des mandats au secteur privé, il faut aussi des gens pour les suivre. Donc si on n'a pas des gens pour suivre aussi ces projets, eh bien on devra simplement tailler dans des projets importants et c'est autant de mandats qui ne seront pas donnés non plus dans le secteur privé. Monsieur Schöbinger, puis nous voterons cet amendement. Monsieur Gontier, puis nous voterons. Juste. Madame Zonka est totalement hors sujet. Je ne touche pas au poste de police des constructions pour justement que ces choses accélèrent. C'est parmi les autres postes. Madame Lopez disait la voiture a augmenté sa pollution. C'est très vrai. Là, je rejoins la remarque qu'a fait la semaine passée Monsieur Gontier, qui est la taille des véhicules qui sont immatriculés et leur poids qui augmente chaque année et peut-être pas leur nombre. Au niveau... je crois que c'était tout. Monsieur Gontier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, juste deux petites choses rapides. D'abord, il faut aussi bien voir que l'aménagement de la ville doit être de plus en plus conçu pour tout le monde et qu'on a eu tendance à simplifier l'aménagement, à le concevoir en fonction des personnes actives et des personnes qui roulaient. Et on doit le concevoir aussi beaucoup plus pour les personnes qui prennent de l'âge, pour les enfants. Il y a des études, enfin même des articles récents qui montrent bien à quel point les enfants des années 50 avaient la rue à eux et à quel point ils ne l'ont plus du tout aujourd'hui. On devrait revenir un peu en arrière. Tout ça, ça demande, ce n'est pas si simple que ça, il n'y a pas de yaka, il faut étudier la chose. Et puis, deuxième point, M. Schöbinger se gausse des nécessités de coordination. Pourtant, il connaît très bien un récent problème de coordination. Je vais parler de la place de l'Oriental, où le service de l'urbanisme avait fait un projet. Et puis, visiblement, il n'a pas été réalisé totalement dans tous les détails, notamment pour un problème de revêtement de sol. Il n'a pas été réalisé exactement de la même façon. Donc probablement qu'il y a effectivement, malgré toute la bonne volonté de tous les services, il y a probablement des problèmes simplement de mécompréhension, que les consignes ne passent pas parce que les gens ne parlent pas forcément le même langage. Bien, j'ai Madame Minacci, puis Madame Dor, et ensuite si un groupe qui ne s'est pas exprimé veut s'exprimer, il le fera et nous voterons vraiment cet amendement. Madame Minacci. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je suis un peu surprise de cet amendement. J'aimerais quand même rappeler qu'on est ici face à un enjeu assez majeur qui est l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, c'est réduire les vulnérabilités du territoire et de la population face aux conséquences des évolutions climatiques à venir. Il y a un enjeu de mise en œuvre du plan climat qui est extrêmement important et l'urbanisme, c'est une pierre angulaire de cette mise en œuvre. Les enjeux liés au réchauffement climatique sont majeurs et puis on a un enjeu de transformer la ville pour l'adapter à cette crise qui est en cours et qui ira en s'amplifiant. Il y a un enjeu de transformer la mobilité pour se donner les moyens de construire une multimodalité cohérente qui permette de fluidifier les différents trajets au sein de la ville. Il y a un enjeu de végétaliser la ville, d'adapter les sols aux canicules ou encore aux intempéries. Moi, je tiens à rappeler juste un extrait du plan climat pour remettre un peu ça en contexte, qui dit « On peut considérer le réchauffement climatique comme étant une crise majeure et fondamentale qui conditionne et aggrave le plus souvent les autres crises.
C'est pourquoi l'élaboration de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer la capacité d'adaptation aux conséquences des changements climatiques apporte souvent également des bénéfices vis-à-vis de ces autres crises. Je vous invite à refuser cet amendement simplement parce que cette économie-là créera une dette ailleurs qui ne sera absolument pas bénéfique. Voilà. Et puis finalement, l'aménagement des espaces publics, c'est aussi pour toute la population, tous les genres, les seniors, les enfants, les piétons, etc. etc. C'est pas seulement les arbres qu'on va planter. Je vous remercie. Madame Dore, Monsieur Berchi, s'il vous plaît, Madame Dore. Monsieur le Président, merci. Mesdames les municipales, messieurs les municipaux, chers collègues, chers collègues. On entend bien les explications du département de l'urbanisme. On souhaite pas non plus de casser l'élan. Néanmoins, on a entendu que jusqu'à la fin de la législature, celle-ci, ça sera tous les EPT souhaités par ce département. Moi, j'ai juste encore une remarque à faire, c'est que oui, on vit dans une urgence climatique. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans l'hystérie. Il faut garder les pieds sur la terre. Il faut écouter les habitants et il faut travailler avec les citoyens. Après, nous, on va évidemment aller dans le sens de monsieur le municipal. Merci. Monsieur Fürst. Monsieur le Président, monsieur le syndic, mesdames les municipales, messieurs les municipaux, chers collègues. À vous entendre, je comprends très bien qu'il y a des enjeux sur les problématiques du climat. Je comprends tout à fait. Moi, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Simplement, je dirais que nous, on ne demande pas de refuser ces EPT nécessaires à l'administration. Je dis simplement de les reporter dans le temps. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais je renvoie la municipalité à son travail et je lui demande de revenir avec un budget qui tient la route, comme avait dit M. Imhoff tout à l'heure. Donc voilà. D'accepter cet amendement. Est-ce que tous les groupes ont eu l'opportunité de dire ce qu'ils avaient à dire ? Très bien, nous allons voter cet amendement. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de M. Schöbinger qui consiste à réduire de 8 EPT les traitements du personnel au compte 351.30.11 sont priés de lever la main. 08, pardon. Avis contraire ? L'amendement est refusé. Pardon, abstention. Voilà, merci. Mais l'amendement est tout de même refusé. Monsieur Rizzello, vous avez des amendements techniques, je crois. Vous croyez bien. Il y a un amendement technique qui a été déposé par la municipalité au compte 351-35-26, contrôle des citernes et des sources de pollution par le CIGE. L'amendement consiste en une réduction des charges de 3 700 francs pour porter ce compte à un montant total de 64 700 francs. Alors, je viens de proposer au président de faire l'amendement suivant, qui est également un amendement technique et qui touche le compte suivant, c'est-à-dire le 351-35-26-01, participation Aglo Rivlac. Cette fois-ci, il s'agit d'augmenter les charges de 26 000 francs pour porter ce compte à 85 200 francs. Je précise que ces amendements techniques ont été acceptés à l'unanimité par la COFI. Je propose que nous votions ces deux amendements ensemble. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée. Celles et ceux qui acceptent ces deux amendements techniques sont priés de lever la main. Avis contraire ? Abstention, une abstention. Je pense que ce sera le meilleur vote de la soirée. Très bien. La discussion est encore ouverte sur ce chapitre. Est-elle demandée, Monsieur Schuller ? Merci, Monsieur le Président. Chers et chers collègues, très rapidement sur le compte 351-35-17, participation au déficit des transports publics. Alors, c'est une rapide intervention sur ce compte qui s'intègre assez parfaitement aux discussions, notamment de la semaine passée, sur le fait de pourquoi nous sommes élus.
Donc, nous, ADA, nous avons un programme que nous essayons tant que possible d'appliquer et ce compte en fait partie. Donc, nous avons proposé en commission des finances un amendement visant une couverture totale des déficits en lien avec la ligne 202 des VMCV, autrement dit, l'instauration de la gratuité des transports publics pour cette ligne qui est 100% Veuvezanne ou presque. La mesure, selon les estimations des services communaux, et on remercie le travail qui a été fait, reviendrait à environ 1 200 000 francs. Cette mesure s'inscrit pleinement dans la direction écologique et sociale de la transformation de la ville en matière de mobilité et en matière d'accès généralisé aux services de transport public. Si beaucoup de débats ont tourné autour de l'utilisation de la voiture ces derniers mois, nous tenons ce soir à réaffirmer le caractère profondément complémentaire de l'action climatique et celui du progrès social lorsqu'il est bien mené. Complémentaire car la gratuité des transports s'inscrit comme une mesure qui reconnaît les contraintes qui pèsent sur les gens en matière de mobilité. Et donc, poser la voiture ne doit pas être considéré comme un acte de vertu ou un acte de morale écologique, mais s'inscrit bien dans une véritable transformation collective de la mobilité sur la commune. Complémentaire car il doit permettre à terme aux travailleurs et travailleuses, aux gens de passage sur la commune, aux touristes et plus généralement aux gens habitués des transports en commun, de diminuer véritablement le coût quotidien de leur transport. Une perspective intéressante si nous souhaitons, en tant que société, diminuer l'utilisation sporadique de la voiture ou encore de laisser la possibilité aux gens à faible revenu de ne pas choisir, pour des raisons financières, entre la visite d'un proche ou celle de rester chez soi. Complémentaire enfin, car bon nombre d'exemples, notamment venus d'Allemagne, montrent que la diminution du prix de tickets de transport a produit des effets massifs en matière de réduction des gaz à effet de serre et constitue aujourd'hui un outil fondamental de planification écologique. Vous l'aurez compris, la gratuité est un outil essentiel pour appréhender sérieusement les crises que nous traversons et qui se renforce à mesure de l'augmentation des prix des carburants et plus généralement à mesure de l'effritement des salaires réels en période d'inflation. Pourtant, au vu des perspectives du budget dont nous discutons ce soir, cet amendement n'a pas réuni de majorité au sein de la commission des finances et au sein des partis de ce conseil. Nous ne déposerons en ce sens pas un amendement formel et notre priorité ira évidemment à la défense budgétaire des conditions de travail du personnel, des postes supplémentaires qui nous sont proposés ce soir et des subventions communales, notamment celles destinées à la culture. Nous invitons cependant l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'à la municipalité à considérer sérieusement l'objectif de la gratuité pleine et entière pour la législature qui vient. Je vous remercie. Monsieur Bertschy. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux, chers collègues. C'est parfait. Il y a juste un terme, un mot qui me dérange un petit peu, c'est la gratuité. En l'occurrence, si vous voulez être sérieux, et véritablement sérieux, c'est lors du dépôt du préavis sur le taux d'imposition qu'il faut intervenir. Vous avez dit combien ? 1,2 million ? Un point d'impôt. Proposer un point d'impôt de plus pour financer cette mesure, ce n'est pas gratuit, c'est un point d'impôt. Donc si vous voulez être sérieux et pris au sérieux, proposez d'abord de financer cette gratuité que vous appelez. Parce que pour moi, ce n'est pas gratuit. Un point d'impôt, pour ma part, ce n'est pas gratuit. Voilà, ça recommence. La discussion n'étant plus demandée, nous allons clore la discussion sur ce chapitre et passer au chapitre suivant. Compte 352 et 353, durabilité. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée, la discussion est close. Compte 400 à 470, travaux publics, espaces verts et entretien. La discussion est ouverte. Monsieur Valli. On m'entend ? Oui. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la commune dispose de matériel de manifestation. Je souhaite donc déposer un amendement au point 410.31.13. C'est dépenses générales et participation. Achat de matériel de fête. Je pense notamment à des guirlandes de manifestation qui sont prêtées régulièrement à de nombreuses manifestations qui se passent à Vevey et qui sont sérieusement abîmés et dentés et qui sont du coup difficilement utilisables après plusieurs demandes de ma part et d'autres à la commune pour le remplacement de ces guirlandes. Ça n'a pas été fait, donc je souhaite passer par la voie budgétaire pour proposer d'augmenter de 2 000 francs, donc de passer de 10 000 à 12 000 francs
pour le budget de cette année. Merci. La discussion est donc ouverte sur cet amendement qui nous parvient par écrit, c'est parfait. Monsieur Berchi. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis un peu ébahi. Un amendement pour 2000 francs. Vous avez deux municipaux à la municipalité. Faites passer le message. Si ça ne passe pas, bah, pour 2000 francs. On en est où si on doit faire des amendements pour 2000 francs? On parle de combien le budget? Combien de millions? Non, mais... La discussion est-elle encore demandée? Bien, nous allons passer au vote. Silence, s'il vous plaît. Celles et ceux qui acceptent la... Celles et ceux, s'il vous plaît, la commission des finances, vous êtes pire que le conseil. Je ne veux pas dire, une mais partie. C'est les mêmes. Bien. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de Monsieur Valli, qui consiste à faire monter le compte 410.31.13 de 2000 francs, sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Bon, on va compter. Mes scrutatrices, veuillez compter, s'il vous plaît. Celles et ceux qui acceptent l'amendement sont priés de lever la main et de la garder levée jusqu'à ce que je leur demande de la baisser. Vous pouvez baisser la main, je vous remercie. Avis contraire ? Je vous remercie. Vous pouvez baisser la main. Abstention. J'ai l'impression que des gens ont changé d'avis ou se sont réveillés entre-temps. Je vous remercie. Vous pouvez baisser la main. Bien, par 40 oui, 28 non et 13 abstentions, l'amendement est accepté. La discussion est toujours ouverte sur ce chapitre. Est-elle encore demandée? Monsieur Rizzello. Merci, Monsieur le Président. Il y a effectivement des amendements techniques. Un, deux. Il y en a deux. Monsieur le Président a disparu. Je propose de voter les deux en même temps. Donc il s'agit des comptes 411, 35, 26, enlèvement et évacuation des détritus flottants par le CIGE. Cet amendement prévoit une augmentation des charges de 10 900 francs pour le porter à 50 900 francs le montant de ce compte. Et l'autre amendement technique concerne le compte 420, 35, 26, enlèvement et évacuation des déchets spéciaux par le CIGE. Cet amendement prévoit une augmentation de 2400 francs, ce qui amène ce compte à 32 400 francs. Les deux amendements étaient votés à l'unanimité par la Commission des finances. Nous allons les voter ensemble. Celles et ceux qui acceptent ces deux amendements techniques de la Commission des finances sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec 4 abstentions, ces deux amendements sont acceptés. La discussion est toujours ouverte sur le chapitre Travaux publics, espaces verts et entretien. Elle n'est plus demandée et elle est close. Nous passons au chapitre suivant,
Famille, éducation et sport, compte 501 à 522. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au chapitre suivant. Bâtiment, gérance et énergie, compte 526 à 527. Oui. Monsieur Rizzello, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons un amendement technique et un amendement de la municipalité. Cette fois-ci, je propose de faire un vote séparé. Le premier amendement est de l'amendement de la municipalité qui concerne le compte 526-31-41.31, travaux d'entretien spéciaux. L'amendement prévoit une diminution des charges de 100 000 francs pour porter ce compte à un total de 819 000 francs. Cet amendement a été accepté à l'unanimité par la COFI. La discussion est toujours ouverte. Elle n'est pas demandée. C'est magnifique, c'est inespéré. Nous allons donc passer au vote sur l'amendement de la municipalité qui concerne donc le compte 526.31.41.31 et qui consiste à faire baisser les travaux spéciaux de 100 000 francs. Celles et ceux qui acceptent cet amendement sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. À l'unanimité, l'amendement est accepté. Le deuxième amendement, l'amendement technique de la commission des finances. Celles et ceux qui acceptent l'amendement sont priés de lever la main. J'en ai pas parlé en fait. Ouh, pardon. Navré, je suis allé un peu vite. Monsieur Rizzello, vous avez la parole. Tout va bien. On veut tous finir le budget ce soir, n'est-ce pas ? Compte 527.43.62, remboursement de frais. Cet amendement prévoit une diminution des revenus de 28 700 francs pour porter ce compte à 235 800 francs. Il s'agit donc d'un amendement technique pour lequel la COFI a voté à l'unanimité. C'était donc l'unanimité de votre vote qui m'a quelque peu désarçonné. Alors, la discussion est ouverte sur l'amendement technique. Elle n'est pas demandée, nous allons le voter. Celles et ceux qui approuvent, enfin qui acceptent cet amendement sont priés de lever la main. Avis contraire ? Abstention ? L'amendement est accepté à l'unanimité. La discussion est encore ouverte sur le chapitre bâtiment, gérance et énergie. Elle n'est plus demandée et elle est close. Nous passons au chapitre suivant. Famille, éducation et sport, compte 528 à 570. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au chapitre suivant. Famille, éducation et sport, secteur famille, compte 58 101 à 5902. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au chapitre sécurité, compte 600. La discussion est ouverte. Monsieur Herminger, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les municipales, messieurs les municipaux, monsieur le syndic, chers collègues. Donc, j'ai une proposition d'amendement sous les yeux qui dit ceci. J'interpelle donc votre conseil pour deux amendements qui sont liés. Je propose de modifier la rubrique 600.42.32 recettes, abonnements et tarifs horaires parking. Vieille ville. Compte 21, nous avons 1 394 000 francs arrondis. Au budget 2023, nous avons 1 782 millions, soit une augmentation de près de 400 000, 388 000 exactement. Premier constat, les recettes de parking ne sont pas négligeables dans ce cas-là. Chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir qu'un comité de citoyens a lancé une pétition intitulée « Stop à cette absurdité, 7 jours sur 7, jours fériés compris », suite à la décision unilatérale de la municipalité de revoir les conditions de parking de la partie sud de la ville, prolongeant les heures payantes au dimanche et jours fériés d'une part, et d'étendre l'obligation du disque au dimanche,
et jours fériés dans les zones bleues d'autre part. Pouvions-nous imaginer que cela s'arrête là ? Eh bien non ! Ces dernières semaines, dans la zone sud-ouest de Vevey notamment, des zones bleues ont été supprimées ces dernières semaines au profit de zones payantes et trébuchantes, bien évidemment. C'est dire si la guerre de la bagnole à Vevey se prolonge et ne semble pas prête de s'arrêter. C'est pourquoi la pétition arrivait bien à propos cet automne, puisqu'en quelques semaines seulement... Non, je parle ici de finances pour expliquer le pourquoi de mon amendement, monsieur... Je ne sais plus comment. Tolusso. Et donc, si je peux me permettre de continuer. Bon, monsieur Redi, monsieur Tolusso, s'il vous plaît. Non, là, ça suffit vraiment, monsieur Tolusso. Monsieur Redi, ça suffit. Et donc, en quelques semaines seulement, le comité citoyen a récolté 3623 signatures. Cela démontre la forte désapprobation de citoyens veuvaisans, mais pas seulement, des citoyens des communes voisines, vigoureusement opposés aux nouvelles mesures imposées par la municipalité. Le succès de cette pétition, c'est peut-être d'ailleurs ça qui fâche M. Tolusso, a surpris beaucoup de monde, et vous seriez étonné de voir les personnalités veuvaisanes qui ont signé, des élus, des anciens élus au conseil, mais également plusieurs anciens municipaux. Ils n'ont pas hésité à désavouer les décisions municipales. C'est évidemment un message herculéen sur le plan politique concernant cette politique menée à Vevey. La pétition a été remise en main propre au syndic le 5 décembre dernier et il sera intéressant de voir quelle suite sera donnée à cette forte démonstration démocratique. Dans cette attente, on peut partir de l'hypothèse que les interdictions et obligations liées au parquage les dimanches et les jours fériés soient retirées. Cela aura pour conséquence directe une baisse des recettes de parking dans la zone concernée. Alors on en vient ici au budget. Dans cet objectif cohérent, je propose de baisser dans montant de 20 000 francs la ligne 600.43. 42, voilà, et d'inscrire le montant corrigé, soit 1 761 700, dans cette rubrique. Le but n'étant pas de modifier le résultat du budget 23, je propose de placer les 20 000 francs sur le compte 600.48.01, qui s'intitule « Prélèvement sur fonds de réserve pour l'exploitation des parcomètres et la création de places de parc ». Ceci pour un montant arrêté à 100 000. Ces deux amendements ont pour seule ambition de rester conséquents en matière de parking. Je vous remercie d'ailleurs pour le soutien que vous voudrez bien donner à cette proposition. Monsieur Tolusso, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je comprends bien qu'on puisse faire de feu de tout bois, surtout quand on n'est pas capable de récolter les signatures nécessaires à un référendum, et qu'on veuille en même temps priver la ville de Vevey d'un revenu légitime, celui du stationnement sur son domaine public. Maintenant, est-ce que c'est cohérent avec d'autres demandes émises par M. Herminger et ses camarades ? Je me pose la question. Mon inestimable camarade Redui me signale qu'il y a eu d'autres discussions moyennement peu en accord avec le budget et que je ferais mieux de me taire, évidemment. Mais je suis pas sûr que le débat sur cette pétition a vraiment lieu d'être lorsqu'on discute du budget de la ville de Vevey. Monsieur Schöbinger. Merci, Monsieur le Président. Autant je partage les conclusions de la pétition, et nous en débattrons sûrement une fois ces prochains temps, mais j'ai l'impression que Monsieur Herminger se trompe de cible. Le compte 42-32
c'est la recette du parking, du panorama de la vieille ville, maintenant. Donc, il était très bas en 2021, on le sait, à cause du Covid, moins de tournus. Il revient à un chiffre normal, mais ça, notre ministre des Finances saura nous dire si les chiffres sont justement évalués. Et si on veut réduire le montant prélevé sur les parkings publics en surface, c'est dans la participation nette à la charge de notre participation à la charge nette de l'association Sécurité Riviera qu'il faut agir en augmentant les charges vu qu'on a moins de recettes sur les le stationnement. C'est que là qu'on peut agir. Merci. Techniquement, c'est un. Je vous invite à refuser techniquement cet amendement, même si sur le fond, il est intéressant. Monsieur Rizzello. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste intervenir par rapport à notamment la discussion qu'on a eue la semaine dernière où plusieurs d'entre vous vous êtes plaints que les amendements n'étaient pas justifiés, qu'ils n'étaient pas expliqués. Là, on a une explication, on a une prise de parole inopinée d'un membre de la gauche pour ridiculiser limite la personne qui prend la parole. On a des prises de parole ce soir pour annoncer des non-amendements. Mais ça choque personne. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'on a un conseiller qui a fait une réflexion, qui a voulu mettre un cadre à son amendement. Le minimum, c'est de le respecter et de ne pas rigoler à tous les mots, toutes les phrases qu'il peut répéter. Je vous remercie. Monsieur le syndic, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers communaux. C'est juste un point technique, effectivement, c'est de vouloir compenser aux 4 801 20 000 francs pour ne pas donner d'effet sur le budget, c'est en fait pas possible, parce que ce compte, il est lié à un compte de charge qui est tout en haut de la page, le 3143, et puis en fait, on prélève ces 80 000 francs sur le fond. Donc si vous en augmentez un, il faut augmenter l'autre. Si vous en mettez un à 100 000, il faut augmenter en haut à 100 000. On peut jouer à ça longtemps, mais ça ne changera rien sur le résultat. Ça, ce n'est pas sur le fond de l'amendement, mais techniquement, de vouloir compenser avec ce prélèvement sur le fond, ça ne marche pas. Monsieur Herminger, est-ce que vous maintenez votre amendement ? Alors, moi, je ne suis pas comptable, et c'est vrai que sur le principe, je maintiens. Maintenant, si vous trouvez une solution technique qui tient la route pour enlever d'un côté 20 et puis remettre dans l'autre côté, je suis toujours partant et je maintiens. Merci. Monsieur Dormont. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais aussi juste apporter une précision par rapport à ce compte. Donc on parle bien des recettes du parking Vieille Ville et dire aussi que le tarif du parking Vieille Ville le dimanche a été baissé. Donc maintenant, on a un tarif à 1 franc de l'heure, alors qu'avant, il était 2 francs de l'heure. Donc cette augmentation de revenus, elle est aussi liée au fait que sur l'espace public, effectivement, on va rester à 2 francs de l'heure, mais en compensation, on a décidé de baisser le tarif horaire dans les parkings en ouvrage pour pouvoir effectivement inciter les visiteurs et les visiteuses à aller plus tôt dans le parking Vieille Ville le dimanche. Donc on table effectivement sur une augmentation de la fréquentation de ce parking le dimanche, mais sa tarification horaire a été abaissée. Merci. Monsieur Lucarini. Oui, merci. Pour répondre à Monsieur Herminger, j'aimerais bien que chaque fois qu'on a une diminution de recettes, on puisse systématiquement la compenser. On serait dans une situation beaucoup plus confortable que maintenant. Mais là, malheureusement, on n'a rien à vous proposer. Si vous pensez diminuer cette recette, bah vous allez diminuer les recettes du budget de 20 000 francs. Mais on ne peut pas la compenser en soi par une diminution de charges ou une augmentation de revenus ailleurs qui serait d'une quelconque façon liée à votre proposition. Donc moi, je comprends bien l'intention qui est plus politique que financière, mais il n'y a pas de proposition à vous faire pour compenser cette baisse de revenus. Monsieur Herminger. Alors, pas de problème. S'il faut diminuer, on va le faire. Nous, par esprit positif, on voulait faire les choses équilibrées. Si c'est plus simple de diminuer, on maintient la diminution de 20 000 francs sur les recettes. Alors, elles sont ciblées sur le parking Vieille Ville, parce que c'est là où, au fond, que ces modifications des tarifs et des politiques de parking a été la plus forte ces derniers temps. Merci.
pour votre amendement, vous maintenez la diminution mais pas l'augmentation, c'est bien cela? Parfait. Monsieur Gontier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord, il me semble me souvenir très vaguement que quelqu'un un jour a dit « ce qui est gratuit ne vaut rien ». Je ne sais plus qui c'était, mais c'est il n'y a pas si longtemps. Donc on devrait être content que les places de parc aient un prix pour qu'enfin elles valent quelque chose. Deuxièmement, je comprends bien aussi l'intention politique, d'autres fois on n'aurait plus à faire, mais est-ce qu'il faut vraiment refaire tout le débat sur le parcage à Vevey à propos du budget, sachant qu'en plus de ça, c'est une compétence strictement de la municipalité de régler ce genre de questions. Les tarifs, les localisations, etc. Tant qu'il n'y a rien à payer, c'est la municipalité qui décide. D'autant plus. D'autant plus. Puis, dernier point, dire tout ça est extrêmement confus. Prélever sur le fonds des parkings, c'est pas possible, parce que le fonds des parkings, il a des buts extrêmement précis. On arrive à le mettre à contribution pour les horodateurs, mais c'est un peu l'extrême limite de ce qu'on peut prélever sur ce fonds, qui est alimenté, rappelons-le, par l'obligation pour les constructeurs de nouveaux bâtiments de prévoir des places de parc, puis s'ils ne le font pas, ils doivent verser dans ce fonds. Mais si. Non, mais ça c'est le fonds. C'est bien ce fonds-là sur lequel on proposait de prélever. Deuxième chose, ça c'est le fonds. L'autre chose, ça c'est la question. Le parking de la vieille ville. Soit Monsieur Herminger valide la stratégie de la municipalité, qui est de dire on diminue, on rend plus difficile le parking en surface, notamment au sud de la ville. Parce qu'il y a des places dans les parkings et ça remplit. Donc lui, il valide ça exactement en disant, je propose, puisqu'on va arrêter de surtaxer en surface, évidemment que ça va conduire à une baisse des recettes à l'intérieur dans les parkings en ouvrage. Donc au fond, M. Herminger en négatif est tout à fait d'accord avec la stratégie appliquée par la municipalité. Bon, moi je reste d'accord avec la stratégie de la municipalité que c'est juste de diminuer le parking en surface et de cacher les voitures en ouvrage. Voilà. Les parkings déjà existants. Bon, monsieur Herminger, puis nous voterons. Merci, monsieur le président. Donc, visiblement, soit j'ai été mal entendu ou mal compris, mais ce n'est pas du tout dans les propos de M. Gontier mon intention. L'intention, c'est de simplement, sur la base de 3623 signatures, nous demandons à la municipalité de retirer les mesures qu'ils ont prises il y a quelques mois. Et donc, par conséquent, nous demandons de diminuer les tarifs, enfin le montant des parkings à ce sujet. Donc voilà, il ne faut pas aller chercher des erreurs là où il n'y en a pas. Nous allons maintenant voter. Le groupe des Croissances Alternatives s'étant déjà exprimé et comme je désire passer au vote, nous allons voter. Oui, mais M. Herminger a déposé son amendement. Alors, l'amendement consiste à baisser les recettes de 20 000 francs au compte 600.432. Celles et ceux qui acceptent sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. À une large majorité, l'amendement est refusé. La discussion est toujours ouverte sur le chapitre sécurité. Ce sont les comptes 600. La discussion n'est plus demandée et les clauses. Nous passons au compte suivant. C'est le compte 6552, bâtiments, gérance et énergie. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et les clauses. Nous passons au chapitre suivant. Cohésion sociale. Compte 700 à 760, et je donne la parole à Monsieur Rizzello. Merci, Monsieur le Président. J'ai un amendement technique au compte 760-36-55.05. J'en ai déjà parlé avant, c'était le montant qui n'a pas été pris en considération dans le calcul final.
Donc il s'agit d'un amendement qui prévoit une diminution des charges de 51 600 francs pour ramener ce compte à zéro. Cet amendement technique a été voté à l'unanimité par la COFI. Je propose que nous votions directement cet amendement. Celles et ceux qui l'acceptent sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec une abstention, l'amendement est accepté. La discussion est toujours ouverte sur ce chapitre. Elle n'est plus demandée et elle est close. Nous passons au chapitre suivant, culture, compte 810 à 815. La discussion est ouverte. Monsieur Schöbing. Merci, monsieur le président. Mon dernier amendement de la soirée. Je sais qu'il va être refusé, donc pas besoin de s'énerver. Au 814, 36, 53, je le dépose par principe. C'est l'aide et subvention à des manifestations culturelles. Ramener le montant de 130 000 à 110 000 francs. Je m'explique. Ce compte est là pour subventionner un certain nombre d'associations. Une fois que ces associations ont les reins solides, ont montré qu'elles ont du bon travail et qu'elles sont statutairement bien implantées à Vevey, elles sont transférées dans des lignes dédiées. Alors, cette année, nous avons créé plusieurs lignes dédiées pour un montant supérieur à 20 000 francs avec les amendements que nous voterons tout à l'heure. Alors, par principe, ce qui est mis d'un côté, j'aimerais le réduire de l'autre. Pas pour baisser l'offre culturelle, mais juste pour savoir raison garder en temps de crise, et surtout que si d'autres associations viennent à être subventionnées, le problème des week-ends disponibles commencera à se poser aussi. Merci. Pardon, mon micro. J'aimerais que la discussion se concentre sur cet amendement, comme ça on procède avec ordre. Puis on fera l'amendement suivant. Madame Melchior. C'est moi ? Non ? C'est moi qui ai fait ça. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux, voilà, donc, Monsieur Schöbinger, vous présentez cette ligne comme quelque chose d'absolument mécanique entre les fonds, les subventions ponctuelles et le fait ensuite d'être inscrit avec une ligne au budget. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça arrive dans quelques cas, mais c'est pas une règle gravée dans le marbre. Donc diminuer cette ligne, ça revient justement à diminuer des soutiens ponctuels pour des projets d'artistes veuvaison et veuvaisanes. Quelques chiffres pour un peu expliquer à quoi correspond cette ligne. Donc en 2021, c'est 73 projets qui ont pu être soutenus par le service. Et en 2022, le service en a traité déjà une centaine. Ces subsides sont accordés sur des critères très stricts. Qui sont liés au domicile de l'association, au projet en lui-même, ce qu'il représente comme intérêt pour la ville de Vevey, le montant des charges artistiques, entre autres. Il y a aussi une pondération justement pour allouer ces soutiens ponctuels entre les disciplines, les artistes confirmés ou émergents, et puis effectivement un artiste peut bénéficier pendant plusieurs années d'un soutien ponctuel, mais ça ne veut pas dire qu'il va automatiquement rentrer ensuite dans les lignes budgétaires. Voilà. Monsieur Schiffel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers amis, je crois que qu'il y a aussi de l'âme à mettre dans cette discussion. Nous avons un grand privilège, et je crois que c'est une véritable marque de fabrique de la ville de Vevey. Nous avons une vie culturelle aussi foisonnante que diversifiée, qui fait rayonner la ville loin l'alentour. Et je pense que ce serait mégoter sur quelque chose qui est une activité fondamentale chez nous, dans ce qui est la ville d'image, que de renoncer à ce type de dépenses-là. Il ne faut pas oublier l'effet de levier qu'ont ce type de dépenses
plus la vie culturelle est foisonnante et diverse, plus cela stimule la créativité. Et je crois qu'à l'époque que nous vivons, c'est exactement le type d'activité en général très peu polluante qu'il est nécessaire de subventionner et de soutenir. Ce d'autant plus quand on a la chance, depuis des siècles, d'être un berceau de créateurs artistiques, littéraires, culturels, musicaux. Et je crois que nous devons continuer à porter haut cette réputation et donc renoncer à amputer un peu mesquinement de 20 000 francs ce que la municipalité a très certainement calculé très soigneusement. Monsieur Branquino. Oui, allô? Oui, c'est bon, merci. Bonsoir à tous. Ceci est ma première intervention ici. J'espère que ce sera la dernière, on le verra à la suite dans les débats. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Citation d'Albert Camus. Il m'est d'avis que beaucoup de personnes dans cette salle n'ont pas encore lu les récents rapports de la Corodis, de la FCMA et PEDI et de Visarté concernant respectivement les arts de la scène, les musiques actuelles et les arts visuels. De la même manière que vous n'avez certainement pas lu en entier en 2017 la synthèse des états généraux de la culture de notre ville, ou avez suivi les récents sondages du syndicat suisse romand du spectacle sur les heures grises, heures de travail non rémunérées dans les milieux culturels. Et je n'en veux à personne, à chacune son domaine de compétences et d'intérêts, on n'a pas le temps de tout lire et de tout savoir. Mais vous entendrez bien que le milieu culturel est le troisième plus précaire de Suisse selon l'OFS, que les équipes artistiques vivent dans une précarité inquiétante pour la plupart, que très peu ont accès à une retraite décente. Nous avons à Vevey le CEPV. Eh bien, sachez que la plupart des artistes qui sortiront de cette école ne seront pas artistes, car dans les métiers des arts visuels, personne n'est rémunéré pour la plupart des phases du travail créatif. Ces personnes cumuleront donc des emplois pour pouvoir pratiquer le métier pour lequel elles ont été formées dans notre ville. Absurde, n'est-ce pas ? Et je vois d'avance une partie de l'hémicycle me parler des associations sportives. Eh bien, sachez que si l'on venait ici défendre une juste rétribution des professionnels dans le sport et le soutien du milieu sportif dans les mêmes lignes de normes syndicales, de médiation à un public plus large que l'actuel et d'assainissement écologique des lieux et des prestations, je serais la première personne à vous soutenir. D'ailleurs, je suis toujours sidéré de voir les conditions de travail de mes proches qui sont professionnels ou semi-professionnels dans le milieu sportif, et de voir à quel point la résilience face à des conditions salariales absurdes y est souvent plus présente que dans le milieu culturel. Enfin, à l'heure de la crise climatique, personne ne jettera la pierre au milieu culturel. Et je me sentirai personnellement plus rassuré que par une augmentation du personnel dans les milieux des soins, du social, de la construction, de l'agriculture et de la culture, que dans les multinationales, l'import-export, la vente d'assurance ou chez Uber. Sans compter le fait que le public répond présent aux offres culturelles. Ceci étant dit, et maintenant que tout le monde aura ses humbles mots en tête pour les prochaines lignes, parlons de cette ligne budgétaire en particulier. Je me permets simplement de relire le rapport de la COFIN et ce qu'a dit la municipale avant moi. Le service a pu soutenir 73 projets sur 104 demandes pour un montant total de 259 840 000 sur un total de 434 258, ce qui représente seulement 70% des projets et un peu moins de 60% de la somme totale sollicitée qui parvient actuellement à être couverte. Et vous voulez encore couper 20 000 francs. Ce serait aussi maladroit que malvenu. Quel message envoyons-nous aux jeunes associations qui n'ont justement pas encore de ligne budgétaire et qui renouvellent notre paysage culturel et lui apportent le sang neuf qui permet à la culture de ne jamais s'embourber et de continuer cette émulation mutuelle entre nouvelles idées et projets bien implantés qui enrichit les œuvres et les esprits. Merci. Est-ce qu'en groupe autre que DA ou l'UDC désire s'exprimer à tout hasard ? Madame Goriab. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, en avant Vevey ne soutiendra pas cet amendement et je souhaitais dire quelques mots à ce propos. C'est car nous considérons que cette aide de subvention à des manifestations culturelles, elle est déjà insuffisante par rapport aux besoins de la ville de Vevey. Néanmoins, puisque nous sommes dans une situation où nous devons faire preuve de quelque peu de parcimonie, on ne va pas proposer un contre-amendement pour l'augmenter. Mais dans l'idée, on pense que dans les années à venir, ce serait intéressant d'imaginer de l'augmenter. Et puis, on aimerait vraiment souligner que ce n'est pas que pour des nouvelles associations, c'est surtout pour des projets ponctuels. Et que finalement, c'est ces projets-là qui
peuvent avoir lieu grâce à cette ligne et qui sont une promesse justement pour des nouvelles propositions innovantes et qui feront la diversité et la fraîcheur de notre agenda culturel. Voilà, juste quelques mots pour ça. Je vais y arriver. Madame Dore, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons que nous joindre à l'expression de nos collègues de gauche et du centre. Les associations avec des projets ponctuels sont à soutenir. Vous vous souvenez que Vevey Libre a fait une interpellation concernant le festi local, qui aujourd'hui n'a plus de ligne de budgétaire. Et on s'imagine bien que cet festival de musique électronique va revenir. Il y a d'ailleurs déjà des personnes qui sont en train de travailler dessus. Donc je peux juste soutenir et vous demander à approuver cette ligne de budget. Merci. J'ai de la peine avec mon micro ce soir, Madame Mourier. Merci. Monsieur le Président, chers et chers collègues, ma prise de parole concerne cet amendement et les suivants. Pour rappel, le secteur de la culture, comme d'autres secteurs d'ailleurs, a vécu une situation catastrophique en raison du Covid-19. La branche n'a pas encore eu le temps de reprendre son souffle que déjà une nouvelle crise arrive avec une inflation qui touche de plein fouet tout le secteur. Le prix des matières premières pour la construction d'un décor, d'une œuvre, de la communication imprimée, etc. ont pris l'ascenseur. Tout cela sans parler des salaires des équipes artistiques qui étaient déjà bas, mais qui ne seront, soyez-en certaines et certains, pas indexés. Ce qui mènera à une situation encore plus précaire qu'aujourd'hui. Ce conseil avait compris l'importance de la situation en soutenant le secteur durant la crise Covid. Nous vous rendons attentifs et attentifs au fait que cette crise n'est pas encore terminée dans le secteur culturel et que les effets se répercutent encore aujourd'hui sur des saisons théâtrales, des concerts, des expositions, etc. Ne gâchons pas aujourd'hui le soutien que nous avons pu fournir à l'époque, ne nous désolidarisons pas d'une aide que nous avions réussi à apporter. Avec les amendements prévus pour couper dans les dépenses culturelles, c'est un peu comme s'acharner sur les survivantes et les survivants. Notre vie culturelle veuvezanne est riche et très appréciée dans notre ville et s'exporte avec brio dans toute la Suisse. La culture est un échelon de notre économie locale. Les événements que nous portons attirent le tourisme. Loin d'être exhaustive tant de l'offre culturelle veuvezanne est fructueuse, nous aurons pu remarquer l'apport d'événements comme les lignes ouvertes proposées par le Théâtre d'Urflay sur la place du marché ou encore le Festival Images. Tâchons de maintenir ce rayonnement, donnons les moyens à notre culture locale de quoi survivre à défaut de s'épanouir au moins sur l'année 2023. La culture est nécessaire, nous l'avons toutes et tous remarqué durant ces deux dernières années. Le Parti socialiste soutiendra aujourd'hui le budget culturel proposé et les amendements tendant à augmenter le budget culturel de notre ville. J'ajouterai pour finir que pour une fois qu'une augmentation de budget pour la culture semble mettre tout le monde d'accord, le milieu culturel, le milieu économique, le milieu hôtelier, etc., je regrette que les arguments des hôteliers n'aient pas été développés concernant l'amendement pour Images. Nous allons maintenant passer au vote. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de M. Schöbinger qui consiste à baisser le compte 814.3653 aide et subventions à des manifestations culturelles de 20 000 francs sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. À une très large majorité, l'amendement est refusé. La discussion est toujours ouverte sur ce chapitre. Monsieur Rizzello, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai un amendement de la COFI concernant le compte 814-3652.10, développement de projets de politique culturelle. L'amendement prévoit une diminution des charges de 25 000 francs pour porter ce compte à 15 000 francs. Je reprends juste le vote. Cet amendement a été accepté par 6 voix pour, 6 voix contre et une abstention. Madame Melchior. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, à nouveau. Une petite explication à quoi correspond cette ligne.
Donc cette ligne elle a été mise au budget en 2018 suite à la baisse du montant par habitant alloué au Fonds culturel Riviera. Je vous rappelle que ce principe est inscrit dans le rapport de la commission de gestion du Fonds culturel Riviera que vous avez validé la semaine passée, enfin que vous avez voté la semaine passée. Ce montant par habitant de 48 francs alloué à la culture était stable depuis la création du Fonds culturel en 2003, ceci jusqu'en 2017. En 2018, ce montant est passé de 48 francs à 46 francs 50, car les communes se sont engagées à réallouer la différence de 1 franc 50 par habitant dans leur propre budget culturel respectif pour développer des projets relevant de la politique culturelle. Ce montant est donc acquis, compensé par une baisse importante à l'époque sur la ligne du Fonds culturel Riviera. Il revient donc de plein droit à la culture suite à un accord passé entre toutes les communes membres et ne peut en aucun cas devenir un paramètre d'ajustement budgétaire. De plus, cette ligne, la seule ligne qui n'est pas une ligne de subvention avec l'autre ligne prestation de tiers, relève directement du fonctionnement du service de la culture. Elle est donc indispensable à assurer un fonctionnement minimum du service en ce qui concerne ses missions d'accompagnement et de mise en œuvre de la politique culturelle. Les exemples de projets qui sont financés par cette ligne sont les portraits d'artistes veuvaisans et veuvaisanes visibles en vidéo sur le site cultureveuvais.ch et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, etc. Aussi, le financement d'articles sur des thématiques culture et société qui mettent en valeur les projets et activités développés par les institutions et les acteurs culturels veuvaisans. Aussi, le projet de carte blanche à des photographes veuvaisans pour une exposition sous forme de galerie virtuelle que vous trouvez toujours sur le site cultureveuvais.ch. Alors, donc en conclusion, il est indispensable d'assurer un fonctionnement minimum au service. Donc, si vous retranchez, si j'ai bien compris, 25 000 francs, ça veut dire qu'on a plus que la moitié de moyens en moins pour réaliser cette tâche qui est une des tâches principales du service. Donc, je vous invite à refuser cet amendement. La discussion n'étant plus demandée sur cet amendement spécifique, nous allons le voter. Celles et ceux qui l'acceptent, je rappelle qu'il consiste à baisser de 25 000 francs le compte 814.3652.10, sont priés de lever la main. Avis contraire ? Abstention ? Il est refusé. La discussion est toujours ouverte sur le chapitre culture. Monsieur Schiffel. Monsieur Rizzello. Merci, monsieur le président. Nous sommes désormais au compte 814-3653.41, Fondation Veuvet Ville d'Images. L'amendement sur ce compte voté par la Commission des Finances prévoit une diminution des charges de 90 000 francs pour revenir à un montant total de 415 000 francs. Et ce vote... Cet amendement a été accepté par 7 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions. Monsieur Berti. Merci, monsieur le président. Une fois n'est pas coutume, le PLR n'est de loin pas unanime. Et pour ma part, j'ai changé d'avis par rapport à mon vote à la commission des finances et je souhaite l'expliquer à ce moment de la discussion. J'ai eu donc une discussion avec M. Stéphane Mouchetel, comme chacun peut l'avoir, hein, je n'ai pas été un privilégié. C'est quelqu'un qui est très proche des citoyens de Vevey, des citoyennes et citoyens. Il m'a donné quelques arguments qui m'ont fait comprendre que cette manifestation, particulièrement, a besoin de soutien en ce moment. Non pas de soutien
comme elle l'a eu jusqu'à maintenant, mais une augmentation de ce soutien. Plus de 200 personnes, que ce soit des menuisiers, des plongeurs dans le lac, etc., montent ce festival. Ces personnes dorment à Vevey, consomment à Vevey. Pendant qu'ils travaillent de 3 à 6 mois, ils payent leurs impôts à Vevey. Donc c'est l'impôt à la source qui est pris directement sur le salaire. C'est des dizaines de milliers de personnes qui viennent durant ce festival, qui consomment également aussi bien à Vevey que dans la région. Les membres de la commission des finances ont eu une information de la part des directrices et directeurs de musées de notre ville qui confirment que lors de cette manifestation, on parle bien de quand il y a le festival, c'est-à-dire tous les 2 ans, durant 3 week-ends, pas tout à fait 3 semaines, eh bien, le nombre d'entrées de ces musées explose. Y compris le musée, et là j'étais un peu surpris quand même, y compris le musée historique de Vevey, qui lui a des problèmes de commodité quand les gens, quand le festival a lieu, puisqu'ils ont été complètement débordés l'été passé, cet été, et c'est une réjouissance pour tout le monde. L'équipe de 10 personnes qui travaillent au bureau de ce festival Images gagne environ, je ne veux pas trahir de secret, mais gagne environ 5000 francs par mois, et au malheur, sur 12 mois. Donc ils n'ont pas de très même salaire. Aucune augmentation n'a été octroyée à ces personnes depuis la création de ce festival. Des choses qu'il m'a dites et que je souhaitais partager avec vous. Derrière l'augmentation de la subvention qui remonte, la dernière augmentation, pardon, de cette subvention remonte à 11 ans. Cette augmentation peut être donc considérée comme une petite partie de l'augmentation du coût de la vie. Elle est également destinée à, pour environ 15 000 francs à l'appartement qui est donc dans la gare, parce qu'il souhaite faire 2 à 3, 4 expositions de plus par année, mais il accueille également volontiers les groupes. Le dernier groupe qui a été dans cet appartement, c'est justement la lettre qui a été envoyée, c'est le comité directeur de l'hôtellerie suisse qui est venu siéger dans la gare de Vevey. Donc on voit qu'il y a aussi des gens de l'économie qui y participent, d'où mon intérêt encore plus particulier. Et enfin, il m'a certifié que grâce à cette augmentation, il comptait trouver 200 000 francs de plus auprès de l'économie privée. Donc c'est des éléments qu'il m'a transmis, avec l'autorisation de vous les transmettre à vous également, bien sûr. Et je vous encourage donc, malgré mon premier vote, à octroyer cette augmentation de subvention. Madame Gandard. Chère municipalité, chère assemblée, je rebondis sur ce qui vient d'être dit et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Sachant que notre grand festival Images a des soutiens, mais que toutes les autres associations culturelles en ont aussi également besoin. Il faut rappeler que le festival Images est une manifestation qui fait largement rayonner Vevey et dont toute la ville profite. La subvention accordée par Vevey n'a pas augmenté depuis 2016, alors que la fréquentation du festival a, elle, plus que doublé, en passant de 100 000 entrées en 2014 à 250 000 entrées en 2022. Faut-il rappeler à quel point cet événement ruisselle sur le reste de la commune en plus de, et plus largement de la région ? Au-delà de son aspect culturel en tant qu'activité et loisir, la culture construit évidemment le patrimoine de demain sous couvert qu'une forme d'autorité, par exemple ce conseil, en reconnaisse le processus de mise en valeur du présent et du commun. En faisant découvrir des œuvres internationalement reconnues dans tous les recoins de la ville, Images met également en avant la richesse, la diversité et la spécificité de Vevey. Festival entièrement gratuit, accessible et construit sur un principe de déambulation qui, en plus de favoriser la mobilité tous, invite le public à flâner en ville et s'arrêter en terrasse ou dans les commerces veveysans. Nous sommes tous et toutes témoins de l'animation qui règne à Vevey pendant les 3 semaines du festival. À l'heure où la flânerie est de moins en moins permise, où les achats se font de plus en plus en ligne, ne pensez-vous pas que nos commerces ne profitent pas de cette formidable attraction qu'est ce festival ? Il faut en plus préciser que contrairement à beaucoup de manifestations dont les recettes de bars sont une source de revenus internalisée, Images fait profiter à tous les bars et tous les restaurants de sa popularité.
Je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir des amis venant de toute la Suisse qui se déplacent jusqu'à Vevey, notamment grâce à Images et ses merveilles de ce que Vevey a à offrir. Oui, la culture est un excellent levier pour le tourisme et l'économie de proximité. Certains de ces arguments parleront sans doute davantage à une partie de cette assemblée, mais plus globalement, n'est-ce pas là des aspects qui nous rassemblent tous ? Cette augmentation du subventionnement ne fait en réalité que rééquilibrer la répartition du financement de la Fondation afin de maintenir la même proportion entre les quatre piliers qui le composent. La part du parapublic et du sponsoring a déjà augmenté dans le budget de la manifestation pour l'édition passée. De plus, un soutien de la ville de Vevey devrait également inciter le canton à augmenter le sien. De plus, l'augmentation de ce soutien ne vise pas encore à augmenter le nombre de projets ou la taille de son activité, mais bien de répondre à la popularité avérée et croissante de la manifestation. En effet, ce nouveau budget servirait par exemple notamment à rémunérer plus dignement les artistes grâce auxquels il existe. Par ailleurs, j'ajouterai que les dynamiques positives que le festival apporte au milieu culturel veuvaisan dans tout son ensemble, la réussite des uns doit faire la réussite des autres. Un soutien à Images va de pair avec un soutien aux petites et moyennes associations culturelles. Vevey a la chance d'avoir un microcosme extrêmement créatif. Il nous semble non opportun aujourd'hui d'y apporter un signal négatif. Enfin, il semblerait que d'autres communes aient déjà fait quelques appels du pied à Images, conscients que cette richesse et ses retombées de cette manifestation apportent à une région. N'oublions donc pas cette richesse et ne risquons pas de la voir filer ailleurs en réaffirmant clairement notre soutien à cette manifestation et sa place dans notre commune. Il me semble que tous les bords politiques ici présents souhaitent faire rayonner Vevey et en la faisant vivre et en mettant en avant ses spécificités et son bon vivre. Or, soutenir et reconnaître les activités qui participent activement aujourd'hui à créer ce qui peu à peu construit notre identité, notre image, me paraît essentiel. J'invite donc toute l'Assemblée à voter cette augmentation de 90 000 francs de la ville au Festival Images. Je vous remercie. J'ai Madame von Gunten, Madame Dor et Monsieur Schöbinger, et je vous annonce tout de suite que je ne redonnerai pas la parole une deuxième fois au même groupe sur le Festival Images. Madame von Gunten. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les municipaux, chers et chers collègues, au groupe des Verts et des Verts, on est vraiment tous unis dans l'idée, dans l'importance du Festival Images, dans notre estime en fait pour ce festival. C'est vraiment un événement qui fait rayonner la ville. Au niveau du canton, au niveau finalement du pays, et puis même à l'international, donc c'est un festival qui nous tient à cœur. Même aussi pour l'appartement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment un lieu particulier à Vevey, qui est accueillant, qui est proche des gens, et puis qui permet vraiment de faire finalement un peu de culture juste sur le moment, au ras de son train. On peut monter à l'appartement, voir quelques expositions photo. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose d'agréable qu'on ne voit pas dans les autres villes, qui est quelque chose qui est vraiment particulier à notre ville. Donc, on a vraiment un intérêt pour ce festival. En même temps, de la même manière, on se rend compte que le contexte est difficile. On a quand même une marge d'autofinancement négative. Et en fait, le moment, il ne nous semble pas forcément vraiment opportun pour une augmentation aussi massive des subventions. Surtout qu'on vient de demander un effort quand même important aux employés de l'administration. Et donc on a à cœur de soutenir la culture, les actions qui sont quand même excellentes de la municipalité dans ce domaine. Mais la taille du soutien, en fait, il nous a fait hésiter. Et donc on a décidé de laisser la liberté de vote sur cet amendement. Madame Dor. Oui, merci Monsieur le Président. Je vous rappelle quand même que le concept de Vevey Images, il a bientôt 30 ans. C'est un projet qui résulte après l'effondrement économique du plan dessus de notre ville. À l'époque, le syndic et le conseil communal ont pris la sage décision de se lancer dans une direction de défendre l'art de l'image. Et d'après le site internet, on peut lire que le premier festival, il a eu lieu quand même il y a 27 ans. Donc aujourd'hui, on arrive à une fondation Images qui nous organise une biennale qui est hautement importante. Effectivement, on rayonne, je pense, dans le monde entier parce qu'on met l'accent sur la qualité d'une photo, ce qui m'est cher au cœur parce qu'aujourd'hui, c'est un art qui se perd. Et j'étais au vernissage hier à l'appartement d'un collectif qui s'appelle
Blossom River. Ils ont beaucoup fait des photographies en Afghanistan. C'est un travail merveilleux. Je peux que vous conseiller d'y aller. Ce que j'ai vu, c'est un appartement donc transformé, rénové avec une installation technique de pointe. Le son, l'image, les lumières, tout est au point. Et c'est vrai que on rentre dans une année donc dite de sobriété. 2023 est une année difficile pour tout le monde. Nous, on va suivre la COFI parce que quand vous regardez le financement de la fondation de Image, le dernier rapport, il dit quand même un financement de environ 3 millions tous les deux ans, enfin 3 millions. Pour l'instant, il les trouve. La ville de Vevey soutient massivement à la hauteur de un quart, un sixième. Et regardons qu'on passe cette année 2023 avec la sobriété qu'on demande aussi à nos employés de communaux. Et on rediscute ça l'année prochaine. Merci beaucoup. Monsieur Schöbinger. Tout a été, beaucoup de choses ont été dites. Sobriété, c'est le mot principal là derrière. Une augmentation de 90 000 francs nous paraissait beaucoup trop importante, compte tenu de la situation financière, compte tenu des efforts à faire pour notre ville. Et si on retarde cette augmentation de quelques années, nous devrions nous en sortir, mais comme je dis, d'abord nos finances, et puis après le reste, même si je me joins à tout le monde, la qualité du travail fourni par cette fondation est là, et elle fait rayonner notre ville, et il ne s'agit pas de la couler. Il y a aussi la deuxième chose, c'est que depuis que je suis au Conseil, cette subvention a passablement triplé de mémoire, mais en tout cas doublé. Attention à raison garder à ce niveau-là, de ne pas en faire quelque chose de trop gros, ou si ça devient bien plus important, de demander aussi une aide aux autres communes à ce niveau-là, sûrement chose qu'elle fait déjà. Merci. Alors, comme je l'ai dit, je ne redonnerai pas la parole une deuxième fois au même groupe. Madame Gorayeb. Merci. Concernant cet amendement, donc en avant Vevey soutient le travail effectué par la fondation Vevey Ville d'Image, et nous sommes conscients des retombées économiques que cela engendre, comme ça a été noté plusieurs fois ce soir. Néanmoins, selon la situation actuelle, nous ne souhaitons pas octroyer de montants supplémentaires aux aides financières que nous leur donnons déjà. La fondation propose un très beau festival tous les deux ans, et nous ne jugeons pas qu'il y ait une nécessité primaire à ce qu'il soit encore plus grand que ce qu'il n'est déjà. Nous pensons qu'il est important de laisser la place à d'autres associations, à d'autres événements, et de ne pas monopoliser un trop grand pourcentage des subventions culturelles pour un seul et unique acteur. Si l'espace de l'appartement de la gare est une réussite, nous ne sommes pas convaincus par le fait que cet espace soit géré par la Fondation Vevey Ville d'Image, puisque cette fondation est censée mettre sur pied un festival biannuel, et par conséquent temporaire, qui existe sur un mois, puis qui disparaît pendant deux ans. Peut-être est-ce là toute la poétique et le principe même d'un festival, une essence légère et ponctuelle qui va et qui vient. Monsieur Matisse. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il y a quelques incohérences. Je vais en relever une. Vevey Ville d'Image, tout le monde s'engosse. Mais Vevey Ville d'Image, tous les deux ans, ou Vevey Ville d'Image, on continue. L'appartement, justement, il permet de garder et de mériter ce logo, cette appellation Vevey Ville d'Image sur les deux années, et non pas une fois tous les deux ans, et ce pendant un mois. Et je crois que je relirai juste le PV de la COFI. Fondation Vevey Ville d'Image, une demande de subvention supplémentaire à hauteur de 150 000 francs pour l'espace exposition image à la gare de Vevey a été faite, car la fondation, la ville, a décidé d'augmenter... à la gare de Vevey, la commune a décidé d'augmenter la subvention de 90 000 francs. Donc il y a déjà un montant que la commune est prête à mettre qui est inférieur à ce qui était demandé. Et moi, je ne peux que vous demander de refuser cet amendement, parce qu'il faut que Vevey Ville d'Image le soit 365 jours par an
année après année, et non pas une fois tous les deux ans. Madame Minacci ou Monsieur Valentin, Monsieur Valentin, puis nous passerons au vote. Merci, bonsoir à tous. Moi, j'aimerais donner un petit élément supplémentaire quand même sur ce qui s'est passé par rapport à l'appartement spécialement. Juste des chiffres rapidement, je crois que c'est important de les donner parce qu'on en a beaucoup parlé. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 400 000 francs de travaux dans cet appartement qui ont été entièrement financés par la Fondation Images. C'est-à-dire que ce n'est pas un sou de la commune qui a été mis là-dedans, ils ont trouvé l'argent autre part. Il faut savoir aussi que le loyer, ils ont réussi à le diviser par 5, de 500 francs le mètre carré à 100 francs le mètre carré. Je ne pense pas qu'il y a une gare de Suisse avec les CFF qui a fait un prix comme ça à quelqu'un. Et on a la chance d'avoir cet appartement là-dedans grâce aussi à cette négociation de loyer. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que la majorité des subventionnements privés et des fondations privées, eh ben, elles ne financent pas les salaires. Donc c'est à nous de jouer maintenant pour leur offrir la possibilité de gérer cet appartement à l'année. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à la municipalité, Madame Melchior. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bon, voilà. Écoutez, vous avez donné beaucoup d'éléments, donc je vais essayer de ne pas redire ce qui a déjà été dit, mais juste apporter quelques compléments. Donc, en effet, cette demande vise bien à financer les prochaines les activités 2023 de l'appartement et de pérenniser ce soutien. Donc, les éléments les plus importants, effectivement, c'est que ce qui vient d'être dit, c'est que pour mettre en place, créer cet appartement, il n'y a eu aucun subside communal. Ça a tout été fait à partir des fonds d'images de la fondation Veuve-Ville d'Images directement. Alors, je vais un peu trier parce que j'avais préparé une longue intervention, mais comme je vous ai dit, je ne veux pas tout répéter. Déjà, ce qui est important, c'est toujours ce principe de subsidiarité. Donc, si la commune participe maintenant à hauteur de 90 000 francs pour l'appartement, ça veut dire que le festival pourra aller trouver une fois, voire deux fois, voire même trois fois plus auprès d'autres collectivités publiques, institutions privées et tout. Mais c'est vraiment toujours ce levier communal qui déclenche les autres sources de financement. Ça, c'est important à toujours rappeler. Et puis, quelque chose que j'aimerais aussi rappeler, c'est que cet espace permanent résulte d'une demande réitérée depuis plus de 6 ans par les milieux économiques, touristiques et hôteliers pour que Images ait une présence à l'année. Le service de la culture s'est activement engagé auprès de la Fondation Veuvet d'Images pour l'ouverture de l'appartement, espace d'exposition permanent, comme vous l'avez déjà dit, qui privilégie la visibilité du label Veuvet-Ville d'Images à l'année, dans un lieu quand même exceptionnel. Hein, c'est le premier lieu culturel dans une gare en Suisse, je le rappeler. Et j'aimerais ressouligner ce que mon préopinant a dit par rapport à la négociation juste incroyable que la direction d'Images a réalisée avec la gare CFF de réduire le montant du loyer à un cinquième de ce qui se fait normalement dans ce type d'espace. Donc on peut quand même voir à quel point la direction d'Images, enfin les collaborateurs cherchent vraiment des sources de financement, négocie toujours afin d'avoir les coûts les moins élevés par rapport à leurs activités. L'appartement toujours. Alors j'aimerais dire que voilà, cet espace a été ouvert en septembre 2021 pour ceux qui étaient présents. Avec, sauf erreur, c'était les 100 ans du journal illustré, peut-être les 150, je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, c'était pour célébrer l'anniversaire d'un hebdomadaire que tout le monde connaît bien dans notre région. Moi aussi, j'étais hier soir à Riverboom, donc voilà, au vernissage de cette cinquième exposition, et il nous est annoncé que jusqu'à hier, 30 000 personnes avaient franchi le seuil de l'appartement, sur 4 expositions. Donc vous voyez quand même qu'il y a un intérêt du public pour ce lieu dédié à l'image, à la photographie.
Qu'est-ce que j'aimerais encore vous dire d'autre? Oui, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, voilà, maintenant ce lieu est là. Comme on a expliqué, c'est un lieu qui serait dommage, auquel il serait dommage de renoncer pour les raisons expliquées, le loyer qui défie toute concurrence, le public qui répond présent, le fait que ce soit un trait d'union entre deux éditions du festival, que voilà, ça permettra à notre label Ville d'Images de vivre, si j'ose dire, 365 jours par année. Mais ce succès de l'appartement, donc on parle bien de l'appartement et pas du festival, qui lui rencontre aussi un autre succès, mais on en parlera plus tard. Ce financement a été absorbé par le festival justement la première année. Ça fait un peu plus d'un an hier, voilà, que le lieu a ouvert. Mais à l'avenir, le festival Images lui-même ne pourra plus absorber les coûts d'exploitation de ce nouveau lieu. D'où cette demande de supplément de 150 000. La municipalité a décidé d'octroyer 90 000 francs. Donc c'est vraiment une nécessité pour continuer à faire vivre ce lieu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous dire sans de nouveau répéter ce que vous... C'est bon ? Vous en avez assez ? Non, mais je m'excuse, mais voilà, y a vraiment un enjeu important pour la ville et pour la culture. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important ? Non, voilà, écoutez, je crois que je vais aussi m'arrêter là. Et puis, je crois qu'il y a encore monsieur le syndic monsieur qui veut Lucarini. Prendre la parole. Merci, monsieur le président. Je vais commencer comme monsieur Berti en disant une fois n'est pas coutume. Je vais vous parler de croissance. La croissance de cette manifestation et ses besoins supplémentaires ne vise pas à augmenter le lieu d'exposition, à augmenter la durée ou à augmenter la fréquence de cette manifestation, mais vise surtout à pouvoir mettre plus de moyens également dans la médiation culturelle, par exemple. Cette année, en 2022, c'était le record du nombre de classes qui sont venues visiter le festival Images. Et puis, pour rappel, cette médiation culturelle, ce n'est pas simplement d'accompagner les enfants lors de la visite, mais c'est aussi de les préparer en avant à cette visite. Il y a aussi eu beaucoup plus de demandes pour les visites guidées, que ce soit d'entreprises ou d'acteurs économiques. Donc, ça demande aussi plus de moyens pour pouvoir gérer ça. Et puis aussi en termes de communication, hein, il y a beaucoup plus de sollicitations. Vous l'avez vu si vous avez vu le dossier de presse et tous les articles qu'il y a dans la presse locale, mais aussi internationale. Donc tous ces pôles-là demandent aussi des moyens supplémentaires, sans pour autant que la manifestation grandisse, mais parce qu'elle a énormément de succès populaire et de plus en plus de visiteurs. Donc ça, c'est un point qui est important à souligner. Rapidement sur les soutiens externes et ces différents piliers, en augmentant aujourd'hui cette subvention de 90 000 francs comme la municipalité vous le propose, on garde l'équilibre entre les différents piliers, puisque ça a été dit, il y a déjà d'autres acteurs, notamment aussi dans le privé et le parapublic, qui ont déjà augmenté les montants de ces subventions. Donc on ne change pas cet équilibre entre les différents piliers de subvention, sachant que effectivement le canton pour l'instant n'a pas changé, mais on estime qu'au terme de la convention, il y aura des axes de négociation importants. Et puis enfin, je termine sur la question du rayonnement. Aussi parce que c'est, rappelez-vous, un des trois piliers du programme de législature de la municipalité qui se découpait en deux parties. Alors il y a le rayonnement, puisque vous l'avez vu, il y a eu des articles dans Vogue Italie, dans le New York Times, etc. Mais il y a aussi un rayonnement intérieur qui nous intéresse et qui était inscrit dans notre programme de législature. C'est-à-dire que c'est une manifestation à la fois internationale, mais qui plaît aussi, j'ose le dire, peut-être pas au nom de tous les Veuvezans et Veuvezannes, mais qui plaît aussi aux gens d'ici, qui nous permettent de découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas, même si on vit depuis longtemps à Vevey, de découvrir des artistes. Donc ce rayonnement-là, il est aussi important. J'en veux pour preuve que pour une manifestation de cette ampleur, la municipalité ne reçoit pas de plainte. Alors certes, elle n'a pas lieu le soir, mais sachez que parfois on reçoit des plaintes quand il y a des silent parties. Donc on en reçoit quand même assez régulièrement. Là, on n'en reçoit pas. Donc j'ai aussi l'impression
que c'est un gage du succès qu'a cette manifestation aussi pour les gens d'ici. Voilà, donc je vous invite à refuser l'amendement qui est proposé de baisser cette subvention de 90 000 francs. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons passer au vote. Je rappelle, l'amendement de la Commission des finances consiste à baisser la subvention au Festival Images de 90 000 francs au compte 814.3653.41. Celles et ceux qui acceptent l'amendement sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. L'amendement est refusé. La discussion est toujours ouverte sur le chapitre culture. Oui, Monsieur Rizzello. Merci, Monsieur le Président. Sur le compte 814-36-53.74, subvention association Vevezanne pour le logement des acteurs culturels à Vlac. La commission des finances propose un amendement qui prévoit une augmentation des charges de 15 000 francs pour amener ce compte à un total de 20 000 francs. Et je vous donne les votes concernant cet amendement. Il y a eu 5 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions. La discussion est ouverte sur cet amendement. Monsieur Branchino. Allô, ah, ça marche du premier coup. Super, merci. Rebonsoir. En page 86 et 156 de la synthèse des états généraux de la culture de 2017, il ressort dans les mesures importantes trouver des logements pour les artistes. Vevey a la chance d'avoir 3 lieux de création et donc de résidence dans les arts vivants, l'Oriental, le Pantographe et le Dansomètre, un lieu qui accueille des résidences dans les musiques actuelles, le Rockin' Chair, plusieurs festivals, la Nox Oreille, le Festival Images, le Festival du Bout du Monde, les artistes de rue et j'en passe, qui contribuent au rayonnement culturel de notre ville et dans laquelle sont créées nombre d'œuvres qui prennent leur envol par-delà les frontières de notre ville ou viennent y séjourner un temps. Mais en 2017, le problème était déjà nommé. Il manque de logements pour ces personnes qui viennent s'inspirer, créer ou participer à l'enrichissement culturel commun dans notre belle ville. La VLAC met à disposition d'artistes en résidence à Vevey, des monteureuses d'images, des artistes des festivals, une demi-douzaine de chambres à des tarifs défiant toute concurrence afin d'être accessibles aux bourses de production qui sont souvent très limitées. Je ne reviendrai pas sur les études citées plus tôt aujourd'hui. Cette œuvre est une aubaine, une association qui prend à sa charge de gérer un point noir dans le circuit des productions culturelles veveysannes, point noir que la ville n'a pas su combler jusqu'ici, et que cet asso propose de combler pour un montant franchement peu élevé pour le service rendu. Il serait passablement malvenu de tuer cette initiative dans l'œuf en refusant de la soutenir à la hauteur qu'elle demande pour simplement survivre et assurer ce service. N'y voyez pas non plus une concurrence déloyale à l'hôtellerie. En effet, nombre de productions et d'artistes venant ponctuellement à Vevey dans les structures suscitées continuent d'être logés dans les hôtels locaux pour une ou deux nuitées. Mais aucune structure culturelle n'a les moyens de loger des artistes en résidence entre une semaine et un mois dans un hôtel. Et cette zone d'ombre est parfaitement comblée par la VLAC que je vous propose de soutenir sans hésiter. Merci. La discussion n'étant plus demandée, nous passons au vote. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de la Commission des finances sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. L'amendement est accepté à une large majorité avec tout de même pas mal d'abstentions. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a un amendement sur le dansomètre de décroissance alternative. Je me souviens malheureusement plus de votre nom, je m'excuse. Helen Foster. Madame Foster. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voulais vous parler du dansomètre, la ligne 814-36-53.43. De passer cette ligne de 4 500 à 14 500 francs.
Le Dansomètre est un espace de création et de recherche dédié à la danse contemporaine situé dans l'ancienne salle de rythmique de l'école de l'Athénée derrière la place Robin. C'est un lieu qui vient d'être transformé avec l'apport financier de la Confédération via le canton dans le but d'en faire un espace d'accueil et de diffusion artistique de grande qualité pour le public. Les travaux viennent de se terminer donc, la salle est prête à accueillir du monde, les artistes aussi, et il s'agit ici et maintenant de rendre ces accueils possibles. Devrait-on demander à ces professionnels de faire du bénévolat pour accueillir les Veuvezannes et les Veuvezans ? Des compagnies prometteuses et ou reconnues internationalement y viennent déjà en résidence et travaillent à la mise en commun des savoirs et de connaissances. Ouvrons ces portes au public maintenant. La direction artistique du Dansomètre est confiée à Jasmine Morand, qui est à la tête de la compagnie Prototype Statue, compagnie internationalement reconnue, qui éclabousse, c'est pas rayonne cette image, là on éclabousse son talent dans le quartier, mais qui fait aussi rayonner le nom de Vevey loin à la ronde. Je crois d'ailleurs qu'il reste quelques places pour ses représentations à Paris, à l'hôtel de ville de Paris, au mois de janvier. Un lieu donc pour rendre accessible la danse contemporaine de grande qualité et une compagnie de danse qui cartonne. Un lieu qui cartonnera, c'est sûr. Donnons donc les moyens de leurs ambitions, donnons-nous les moyens de leurs ambitions, de talents conçus déjà voir les services de la culture de Vevey depuis 2010 déjà, en mettant à disposition les locaux du Verger 10, puis les locaux de l'Athénée. Bravo à ces dénicheuses et dénicheurs de talents d'avoir permis aux Dansomètres de nous les exprimer depuis. Continuons donc de suivre ce fil rouge et d'encourager ces échanges formateurs, nourriciers et vitaux pour les artistes. Qu'ils puissent nous transmettre, nous faire vibrer, réfléchir et peut-être même danser avec comme musique de fond le nom de Vevey. Voilà. Madame Foster, je vous remercie. La discussion est ouverte. Elle n'est plus demandée. Nous allons passer au vote directement. Celles et ceux qui acceptent l'amendement de Madame Foster, qui consiste donc à augmenter la subvention du Dansomètre de 4 500 francs, sont priés de lever la main. 10 000 francs, pardon. J'ai lu la mauvaise colonne de mon tableau, je m'excuse. Donc, celles et ceux qui acceptent, lèvent la main. Avis contraire. Abstention. J'ai un doute, nous allons compter. Celles et ceux qui acceptent sont priés de lever la main et garder la main levée. Merci. Vous pouvez baisser la main, je vous remercie. Avis contraire. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main. Abstention. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main. Merci. Par 34 oui, 41 non et 12 abstentions, l'amendement est refusé.
La discussion sur le chapitre culture est-elle encore demandée? Non, elle est close. Nous passons au chapitre suivant. Culture, musée Yéniche, compte 82-021. Monsieur Christen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Vevey Libre est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années avec le soutien d'autres partis pour s'inquiéter du coût de fonctionnement du musée Yéniche et du cabinet des estampes et surtout de l'insuffisance du soutien cantonal. Il y a 3 ans, par un postulat de Stéphane Moya, il y a 2 ans sous l'impulsion de Pascal Moya avec le soutien de l'UDC et du Centre, la municipalité s'était alors engagée à renégocier la convention qui venait à échéance fin 2020. Faute de nouvelles, le conseil communal Michael Berchi avait relancé la municipalité début octobre 2021. La réponse de la municipale de la culture avait été en substance la suivante. Une séance est programmée le 13 octobre et la municipalité va évaluer les possibilités d'augmentation de la participation du canton. Madame Melchior avait conclu en disant qu'une communication serait faite au conseil communal. Ça fait plus d'un an et depuis, nous n'avons pas de nouvelles de la municipalité au sujet des négociations avec leurs excellences de Lausanne. Seule information, un communiqué de presse, il y a quelques jours, qui fait état d'une autonomisation du musée par la création prochaine d'une fondation, ce qui semble, a priori, pas une mauvaise idée, qui a visiblement mûri, puisqu'elle avait déjà été évoquée par le municipal Étienne Rivier. Mais il ne faut pas en attendre des miracles lorsqu'on voit ce à quoi aboutit le transfert de la salle El Castillo à la Fondation des Arts et Spectacles. Face à une augmentation des dépenses au budget 2023, nous avions déposé la semaine dernière des amendements que nous avons finalement retirés. Le syndic nous ayant expliqué que ces demandes supplémentaires étaient toutes autofinancées par le canton, la Confédération ou même un fonds affecté. Toutefois, nous attendons maintenant de la municipalité qu'elle nous informe du résultat de ces démarches. Madame Melchior. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Christen, merci pour votre question. Donc, effectivement, nous avons rencontré les autorités cantonales au début de l'automne, donc avant que le projet éventuel d'autonomisation du musée Yéniche soit communiqué. Pour le moment, ce que nous avons obtenu, c'est 30 000 francs pour, donc toujours pour le cabinet cantonal des estampes, hein, je précise. Une subvention supplémentaire de la part du canton pour des acquisitions au cabinet cantonal des estampes. Donc ce sera vraiment un montant dédié. Et puis pour préciser les montants dont vous avez fait mention juste avant. Donc sur les lignes 3011 et 318201, donc qui étaient en fait des amendements prévus pour ce soir, mais finalement je crois qui ont été abandonnés, mais c'est quand même ce montant de 134 700 francs, notamment pour la remise à jour et l'acquisition de nouveaux logiciels. Pour le musée, que ce soit sur les beaux-arts ou le cabinet des estampes, qui est quand même qui est quelque chose de fondamental en 2023 pour le musée. Voilà comment ce sera financé. Donc il y a 54 000 francs qui seront prélevés du fonds AMZT, c'est le fameux fonds dont vous parliez. 33 500 francs qui sont une participation de l'Office fédéral de la culture, 45 000 francs du CERAC, donc du service culturel du canton, et 1 000 francs des retraites populaires. Donc il restera à la charge de la ville 1 200 francs pour ces nouvelles charges budgétaires pour 2023. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Maintenant, effectivement, comme vous le savez tous, il y a ces démarches, cette étude qui va être faite pour l'autonomisation du musée Yéniche. Donc, c'est tout ce qu'on peut maintenant vous dire par rapport à la participation supplémentaire du canton. Je pense qu'il faut effectivement maintenant entamer ces démarches et voir à quoi elles aboutissent.
Monsieur Christen. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Municipale. J'ai toutefois une question complémentaire parce que vous avez répondu, au fond, sur les négociations récentes liées à un projet nouveau qui est autofinancé. Ma question ne portait pas que là-dessus, elle portait surtout sur les négociations qui ne datent pas de l'automne dernier, enfin de l'automne 2021, 13 octobre 2021, suite à l'intervention de M. Bertschy. Quels ont été le résultat de ces négociations qui datent d'il y a plus d'une année? Madame Melchior. Excusez-moi, je ne me suis peut-être pas très bien exprimée, mais comme je viens de vous le dire, donc, le canton nous alloue 30 000 francs supplémentaires pour, sur le budget du cabinet cantonal des estampes, 30 000 francs supplémentaires du budget actuel pour les des acquisitions, et ce sera vraiment dédié à ça, ce ne sera pas pour les salaires, ce sera que pour des acquisitions d'œuvres. Et puis voilà, maintenant il y a eu ces 45 000 francs, alors du CERAC, ces 45 000 francs supplémentaires en soutien ponctuel, justement pour l'acquisition de ces logiciels et la remise à jour des logiciels et tout ce qui concerne Muséum Plus et Muse et tout ça. Voilà. Monsieur Meuillat. Oui, alors merci pour les réponses. Alors finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y aura strictement aucune différence par rapport au budget. De tout ce qui a été négocié, organisé, les séances que vous avez faites, ça, c'est, parce que 30 000 francs sur le budget, c'est rien, quoi. Donc il n'y aura pas de différence prévue par rapport au budget de ce qu'on parle, quoi. Comme je viens de vous le dire, le canton nous a alloué 30 000 francs supplémentaires pour des acquisitions et nous accorde un soutien ponctuel de 45 000 francs pour la remise à jour de l'informatique au musée. Monsieur Lucarini. Oui, c'était juste pour dire qu'il était prévu de communiquer sur ces éléments avec le canton qui est entré en matière sur des soutiens ponctuels liés à des projets, donc comme l'a dit ma collègue, les acquisitions ou le passage à Muséum Plus. Donc c'est tout ce qui a pu être négocié avec le canton. Une fois que la municipalité a décidé de lancer cette étude, donc elle a retenu la communication parce que du coup c'était un peu, ça faisait un peu une dissonance par rapport à ce qu'on était en train de faire. Puis maintenant ce qui se passe, c'est qu'on est en train de choisir un mandataire pour nous accompagner dans le cadre de cette étude et puis former un groupe participatif avec tous les partenaires qui sont impliqués dans le fonctionnement du musée Yenich, que ce soit la ville évidemment, le canton, les collaborateurs, les différents fonds déposants. Et puis, donc ces négociations, elles vont être remises sous la table, mais sous une autre forme, hein, puisqu'il y a cette étude qui est lancée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus à vous répondre qu'effectivement, tout ce qu'on a obtenu, ce qui a été obtenu du canton, c'est des soutiens ponctuels dans le cadre de projets d'acquisition et de Muséum Plus, et puis peut-être d'autres à venir. Mais ça, c'est tout ce qui a été obtenu pour l'instant. Par contre, ces discussions vont reprendre en vue de cette étude et d'éventuellement de la création d'une autre entité qui pourrait être une fondation ou une autre forme. Pour l'instant, c'est resté ouvert. Monsieur Michael Bertschy. Bonsoir à toutes et tous. Du coup, juste pour dire autrement ce qui vient de nous être dit, donc, le conseil suite à l'interpellation soutenue par le conseil, avait demandé à la municipalité d'aller dans le sens d'une renégociation de la convention avec le canton à propos du cabinet des estampes. Et ce qu'on nous dit en substance, c'est que le canton a décidé de mettre 30 000 francs pour des acquisitions, donc c'est acheter de nouvelles estampes, dont la gestion sera ensuite à la charge de notre commune qui paye le cabinet des estampes. Et quand on voit le pourcentage que représente ce cabinet par rapport au budget de la culture, et on avait une discussion avant pour un montant de 20 000 francs par rapport à des soutiens ponctuels, je pense pouvoir parler au nom du groupe Vevey Libre, qu'on incite la municipalité à faire perdurer les négociations dans le sens d'une meilleure répartition des charges avec le canton. Voilà, merci. Monsieur Roduit. Monsieur le Président, chers collègues, moi je voulais savoir si c'était le canton qui suggérait à la municipalité l'organisation de cette nouvelle organisation.
c'est une démarche qui vient de la municipalité. Réponse très rapide, c'est une démarche qui vient de la municipalité. Bien, nous allons nous arrêter là pour ce sujet. Monsieur Schiffel, je crois que vous avez 4 amendements et comme vous me l'avez suggéré, je vous propose de faire les 4 en une fois. Monsieur le Président, mesdames et messieurs et chers amis, je me réjouis toujours quand un conseil communal passe autant de temps à discuter de la politique culturelle et du financement des activités culturelles. C'est plutôt bon signe et je pense que c'est peut-être de bon augure pour les amendements que je vais vous proposer. Ils concernent 4 postes du budget parce qu'ils ont une cohérence, donc il est inutile de les voter séparément. Mon propos est d'amender à chaque fois pour nos 4 musées le compte 43-92, c'est-à-dire les recettes, les finances d'entrée. L'année dernière, j'avais proposé au mois de décembre à ce conseil d'octroyer une subvention supplémentaire de 100 000 francs à Images. J'ai perdu, mais elle est venue l'année d'après. Alors, je me dis qu'il faut gouverner, c'est prévoir, et c'est donc pour ça que je propose aujourd'hui cet amendement, puisqu'on a vu que la municipalité a déjà franchi un premier pas allant dans le sens des préoccupations que j'avais aussi exprimées l'année passée, en rendant l'accès à la bibliothèque gratuit. Et bien maintenant, il s'agit de faire un pas suivant, qui est exactement dans la ligne que la politique culturelle que la nouvelle municipalité semble vouloir continuer à mettre en œuvre et continuer à faire progresser. Et l'amendement que je vous propose ne coûte pas très cher. D'abord, je ne vous demande pas de l'argent en plus, je vous demande d'en recevoir un peu en moins, pour un montant qui, par rapport au budget des musées, est dérisoire, puisque la totalité des finances d'entrée qui sont comptées dans ces 4 comptes 43-92, c'est 47 000 francs. C'est 15 000 francs pour le yen, 25 000 francs pour le Yenich, etc., etc. Je vous passe les chiffres. Au total, on parle de 47 000 francs. Et je pense que la force symbolique d'une gratuité qui serait décidée par ce conseil est dans la droite ligne de toute la politique culturelle que nous menons. On a parlé tout à l'heure d'Images. Une bonne partie de son attractivité et de sa popularité résulte du fait que non seulement le festival Images, qui se répand dans toute la ville tous les 2 ans, est entièrement gratuit, que ça se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, mais qu'aussi, évidemment, l'appartement et les expositions qui s'y déroulent sont accessibles à chacun. Et je crois que c'est très important d'avoir une ville qui crée une interface totalement ouverte sur l'accès à la culture. Très souvent, l'obstacle financier, même si la finance d'entrée est en général modeste, peut constituer pour beaucoup de gens un obstacle à y aller. Imaginez tous les grands-parents qui sont avec leur petit-fils, dont ils savent qu'il ne va pas pouvoir rester plus de 20 minutes au musée parce que ce ne sera pas possible pour lui de se concentrer, ils ne vont pas aller payer 10 francs pour ça. Par contre, s'ils ont la possibilité d'y aller, de faire un tour, parce que ça ne suppose pas un investissement, on fait un investissement dans la culture de toutes les générations futures pour finalement très très peu d'argent. Il s'agit aussi, par cet amendement, de stimuler la municipalité à réfléchir peut-être à une autre manière d'y donner suite en pratiquant ce qu'on appelle la politique du prix libre, qui a été mise en œuvre depuis le début de l'année 2022 au Musée d'art et d'histoire de Genève, en s'inspirant de ce qui se fait dans beaucoup de musées anglo-saxons, dans le même esprit et dans le même objectif que celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Et je pense que la municipalité l'a d'ailleurs dit ou évoqué déjà l'année dernière devant la commission des finances et encore cette année, qu'une réflexion va aboutir l'année prochaine sur ces questions-là. Je ne fais pas une religion absolue de la gratuité. Je pense que le prix libre, qui est aussi un échange avec ceux qui profitent de cette offre culturelle, constitue une piste intéressante. C'est évidemment difficile à ce moment-là de fixer un budget. C'est pourquoi il me paraît plus cohérent de mettre ces 4 comptes à zéro. Et je vous propose donc de diminuer les recettes de l'ensemble des musées de 47 000 francs. Monsieur Berchi. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, les recettes, elles ne sont pas toutes au budget, notamment par rapport au musée Yenich. On le sait depuis le temps qu'on en parle. C'est-à-dire que certaines recettes font partie intégrante des comptes, des expositions. Donc celles-là, elles seraient sans doute aussi perdues. Donc il faudrait éventuellement augmenter la subvention à ce musée pour compenser les pertes de ces expositions. La deuxième chose, c'est que la municipalité est en réflexion à ce propos et elle ne pense pas aller véritablement vers la gratuité, mais plutôt d'autres pistes. Et en discussion, puisque l'amendement a été proposé en commission des finances, en discutant avec les différents responsables de ces musées
ils nous ont dit que finalement, ils faisaient un week-end de gratuit par mois. Et cela leur permet de communiquer et ça donne un coup de fouet à ces musées. En l'occurrence, c'est une manière de pouvoir communiquer en disant « Venez en famille tel week-end, c'est gratuit ». Et puis, ça augmente l'attractivité de ce musée. Donc, comment communiquer si c'est tout le temps gratuit? Comment communiquer? Peut-être en faisant un week-end payant. Il y a des gens qui viendraient en disant ben, « Moi, je viens plus volontiers parce que c'est payant ». Monsieur Schiffel. Je vous remercie. Il est absolument exact que les budgets des expositions ne font pas l'objet de postes directement au budget ou qu'on peut atteindre par le budget. Effectivement, pour les expositions temporaires, les recettes encaissées par le musée sont versées à raison de 20% à la ville et pour le 80% restant, contribuent au financement des expositions temporaires qui elles-mêmes sont en d'autres sources de financement privées auprès de différents sponsors ou entreprises ou d'autres fondations qui soutiennent ces expositions. Mais je vous rappelle le but initial du vote que je vous demande ici, c'est de donner un stimulus à la municipalité. Moi, je ne peux pas faire un amendement sur des postes qui ne sont pas au budget pour, en acceptant cet amendement, l'inciter à accélérer sa réflexion sur cette question importante pour Vevey, qu'est la politique culturelle, et puis pour que Vevey puisse être, parce que ce serait quand même la première ville de Suisse romande, à rendre l'ensemble de ses musées gratuits pour un prix qui, finalement, est relativement peu important, mais qui a une portée emblématique bien plus large que cela. Monsieur Herminger. Merci, monsieur le président. Alors, je pourrais me citer, mais je vais faire mieux. Je vais citer la directrice du musée Jenisch, Madame Rotten, qui a déclaré en commission des finances, ou même, pardon, chef de la service de la culture, précisément, qui a dit que, ouvrez les guillemets, rien n'est gratuit. Alors, j'aurais voulu le dire moi-même, mais je pense que, venant de sa part, c'est plus pesant et plus convaincant. Et donc, de nouveau, ici, on va évidemment finalement dépenser relativement peu, mais revenons à la situation 2023. Ça va de nouveau être une situation financière difficile pour beaucoup, et pour la ville de Vevey en particulier. C'est de nouveau un moyen de creuser la dette, et pour cette raison, accompagné de celle de la ville qui, elle, réfléchit, et c'est juste, ça a été dit, ça a été exprimé, la direction de la culture ainsi que la municipalité réfléchit sur de nouvelles pistes pour encourager les gens à participer au musée. On ne fera pas forcément plus de rendement, ce n'est peut-être pas la question, en tout cas pas me concernant, mais la gratuité, ce n'est pas le bon chemin, donc je vous invite à refuser cet amendement. Monsieur Roux. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames les Municipales, Messieurs les Municipaux, chers collègues. Monsieur Schiffel vient de dire tout à l'heure, il faut mettre ses postes à zéro pour que la municipalité, pour que ça lui donne un signe positif à la municipalité pour étudier d'éventuelles autres pistes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre des postes à zéro quand on est dans une situation financière difficile? Donc, M. Schiffel dit aussi, oh, mais je diminue pas les... Ouais, je demande pas des sous, mais par contre, je vais augmenter les charges. Donc, quelque part, on se retrouve dans une situation pour 47 000 francs où on aggrave le budget, qui est déjà gravement déficitaire. Et moi, je vous conseille de refuser ces 4 abonnements, enfin 7 abonnements qui représentent 4 postes pour un montant de 47 000 francs. Je vous remercie. Monsieur Moya. Ouais, au vu des discussions qu'on entend maintenant, des commentaires, etc., on se rend compte qu'on ne vote pas. On ne vote pas pour supprimer des recettes de 47 000 francs parce qu'avec les organisations autonomes des expos, donc en fait, on vote pour un montant qu'on ne connaît pas, quoi, et qui pourrait être 5 fois plus haut. C'est ça que ça veut dire. Ah bah, à partir du moment où les expos
sont des comptes autonomes dont les recettes font partie, on n'est pas du tout de don't tire, donc ce n'est pas du tout 47 000 francs. Quoi. Alors, est-ce que quelqu'un peut articuler un montant où on vote, on fait un chèque en blanc, quoi. Parce que là, si c'est une histoire à 250 000 francs, c'est quand même un petit peu curieux pour l'état du budget actuel. Hein. Madame Melchior. Merci, Monsieur le Président. Alors, voilà... Répondre à votre demande, Monsieur Schiffel, le service de la culture se positionne en faveur non pas d'une gratuité générale et donc d'une suppression totale des recettes, mais du modèle du prix d'entrée libre visant à ce que chacune se sente libre de participer à la hauteur de ses possibilités. Une réflexion est en cours sur les avantages et impacts financiers de ce principe qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses institutions culturelles en Suisse et à l'étranger. Le service de la culture est convaincu qu'un système fondé sur le principe du prix libre avec une échelle de prix conseillée permettrait à l'avenir d'améliorer l'accessibilité à la culture, de promouvoir la participation culturelle et de favoriser la diversification des publics de manière plus durable que la gratuité, tout en garantissant une entrée de recettes permettant de financer les ressources et outils de communication nécessaires à sa mise en place et sa promotion. Le service de la culture estime que la suppression des recettes serait prématurée à ce stade de la réflexion. Et surtout, ce que le service souhaite, c'est de venir avec un préavis pour le premier semestre 2023, afin qu'on puisse avoir une discussion avec tous les éléments qui rentrent en compte par rapport à la demande que vous faites, et pas simplement supprimer les recettes. Et en plus, j'ajoute que nous sommes donc en plein processus de sélection de deux directeurs qui sont partis à la retraite. Nous sommes en train de désigner de choisir les nouveaux directrices qui devraient rentrer en fonction aussi au premier semestre 2023. Donc voilà, pour nous, c'est complètement prématuré de mettre ces lignes à zéro pour le moment. Monsieur Schiffel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense qu'effectivement, important et légitime de répondre aux questions que Monsieur Moya se pose. Donc, ce dont on parle ici, parce que c'est évidemment là le grand domaine des recettes dont il est question, c'est celle du musée Yeniche. Donc, les 15 000 francs qui sont mentionnés au budget, donc c'est des chiffres que je tiens du musée lui-même, hein, les 15 000 francs qui sont mentionnés comme recettes au musée Yeniche représentent le 20% des recettes de billetterie du musée Yeniche, en tout cas si on compare ça à l'année 2021. Les 15 000 francs en question. Pour les autres musées, il n'y a pas ce problème d'exposition temporaire rémunérée par d'autres fonds. Le nombre d'entrées au musée Yeniche a été en 2018 de 14 919, et ça représentait des recettes de 41 000, je vous les fais courtes, hein, je vous passe les détails, 42 000 francs pour arrondir. En 2019, 13 764 pour 44 500 francs. En 2020, 15 749 entrées pour des recettes de 34 000. Tout ça provient du fait qu'il y avait aussi de la gratuité pendant 2 mois, si ma mémoire est bonne, pendant le Covid, ou quelque chose comme ça. Et puis en 2021, qui doit être peut-être une année qu'on peut éventuellement retenir au titre de référence, il y a eu 21 596 entrées qui représentaient un chiffre d'affaires de 77 000 francs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'avec 15 000 francs, on est grosso modo aux 20% des recettes du musée. Donc si on imagine que cet amendement ait un impact ou déploie immédiatement un impact sur les recettes de l'entier de la billetterie du musée, il porte effectivement concrètement sur 110 000 francs, mais je ne peux pas amender sur 110 000 francs puisqu'il n'y a pas de poste correspondant au budget. C'est pour ça que je vous demande de voter en étant conscient du fait que si on allait dans cette direction-là, c'est globalement effectivement une renonciation à des recettes comprenant celle des expositions temporaires, qui diminuerait de 110 000 francs pour l'ensemble des musées beauvaisants, le musée Yeniche étant d'ailleurs le seul concerné dans cette espèce d'effet secondaire de la gratuité des musées. La discussion n'étant plus demandée, nous allons passer au vote et nous votons les 4 amendements ensemble puisqu'ils touchent, disons, le même sujet et c'est cohérent. Celles et ceux qui acceptent les 4 amendements proposés par M. Schiffel visant à rendre les musées gratuits sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Les 4 amendements sont refusés.
La discussion est-elle encore demandée sur le musée Yenich? Ce n'est pas le cas. La discussion est close. Nous passons au compte 82022, bâtiment, gérance et énergie, musée Yenich. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 82031, culture, musée suisse de l'appareil photographique. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 82032, bâtiment, gérance et énergie, musée suisse de l'appareil photographique. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 82041, culture, musée historique. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 82005, culture, CDE. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 8311, culture, bibliothèque. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 8312, bâtiment, gérance et énergie, bibliothèque. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 841-842, bâtiment, gérance et énergie, église. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 951-95-21, famille, éducation et sport. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 951-95-21. Pardon, c'est le même. Nous passons au compte 95-22, animation jeunesse. La discussion est ouverte. Elle n'est pas demandée et elle est close. Nous passons au compte 95-23, cohésion sociale. La discussion est ouverte. Monsieur Rizzello, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Nous avons un amendement technique sur le compte 95-23, 30-12, salaire du personnel auxiliaire. L'amendement prévoit une diminution des charges de 73 000 francs pour porter le total de ce compte à 88 400 francs. La commission des finances a voté à l'unanimité. La discussion est ouverte sur cet amendement. Elle n'est pas demandée, nous allons le voter. Celles et ceux qui acceptent l'amendement technique de la commission des finances sont priés de lever la main. Avis contraire. Abstention. Avec 3 abstentions, l'amendement est accepté. Non, il n'y avait pas d'avis contraire. Nous avons fini la discussion chapitre par chapitre du budget. Monsieur Rizzello. Merci, Monsieur le Président. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Je propose, en attendant que Monsieur de Bonneville fasse les petits calculs, une petite suspension de séance de façon à ce qu'on puisse se réunir entre différents partis. Je ne vais pas m'amuser à citer le règlement. Article 109, me dit-on. Voilà, allons prendre l'air. Alors, je vais suspendre la séance, mais tout d'abord, non, mais je peux le faire moi-même en tant que président, je n'ai pas besoin de vous demander votre avis, donc je vais suivre la recommandation de M. Rizzello et je vais le faire. Mais néanmoins, je ne sais pas si je suis un être humain normalement constitué ou si je suis un peu bête, mais j'ai une fenêtre d'attention qui doit être proche de la minute quand on arrive à 9h30. Donc quand les groupes vont préparer leurs interventions, je vous suggère de prendre la fenêtre d'attention de vos collègues en compte. Voilà, nous revenons dans 5 minutes, c'est-à-dire à 9h40.
Mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir reprendre place. Mesdames et messieurs, reprenez place, s'il vous plaît. Parmi les personnes qui se trouvent près de la porte, Madame Simonin, à tout hasard, est-ce que vous pourriez demander aux fumeurs de rentrer, s'il vous plaît ? Ça m'aiderait infiniment, merci. Même quand on n'est plus présidente, on travaille encore. Bien, je vous remercie de faire silence. Alors, nous avons les chiffres définitifs grâce à M. de Bonneville. Je vous dirai simplement les quatre chiffres du budget tel qu'amendé. Après tous les amendements, les charges selon budget 2023 s'élèvent à 165 millions. Oui, 165 778 600 francs. Les revenus à 158 194 800 francs. L'excédent de charges est de 7 583 800 francs. Et la marge d'autofinancement est négative et à moins 217 000 francs. Sur ce, nous allons passer à la discussion finale. Et je donnerai en priorité la parole à chaque groupe. Monsieur de Bonneville, je vous remercie. La discussion est ouverte. Monsieur Rizzello. J'étais le dernier de parole la dernière fois lorsqu'il a fallu prendre une position préliminaire. Du coup, autant que je commence cette fois. Le groupe du Centre et des Verts libéraux, c'est ardemment penché sur ce budget, sur les différents amendements qui avaient été proposés. Finalement, on se retrouve avec un autofinancement négatif un peu plus important que ce qui avait été amendé par la commission des finances. Toutefois, comme annoncé, ça reste un budget relativement équilibré qui permet quand même à la municipalité de garder son élan et de pouvoir travailler selon ses ambitions. Comme je l'ai déjà dit, les comptes seront probablement meilleurs tant du point de vue de l'autofinancement que du résultat final. Dès lors, nous allons accepter le budget tel qu'amendé. Je vous remercie. Si nous procédons dans le même ordre que la dernière fois, Monsieur Gontier. Madame Berroca. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Nous l'avons souligné en ouverture de ce long débat, ce collège municipal a des ambitions pour notre ville.
Il veut en particulier contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et adapter la ville aux effets inévitables de ce réchauffement. Conscient que la crise énergétique, qui vient à la suite d'une crise sanitaire, fragilise la population à plusieurs niveaux, ce collège veut aussi, dans la mesure du possible, garantir des droits acquis et maintenir des prestations qui favorisent l'intégration, la solidarité, le lien social. En d'autres termes, répondre tant à l'urgence sociale qu'à l'urgence climatique. La municipalité et les services avaient élaboré un budget correspondant à ces ambitions. Un groupe a fait du petit équilibre un fétiche et a entraîné une partie de ce conseil dans sa chasse aux dépenses sans que cela fasse partie d'un quelconque projet politique autre que la reconquête. Pour le moins, l'intérêt prépondérant de ce petit équilibre reste à démontrer. La première et principale victime en a été le personnel communal. Loin des remerciements à l'administration proclamés unanimement et la bouche en cœur en ouverture des débats, une petite majorité du conseil communal a voté une indexation partielle qui revient à une baisse du salaire réel. De plus, les débats ont été émaillés de propos méprisants à l'encontre des salariés de la commune, comme quand certains ont exprimé leur lassitude à entendre parler des conditions de travail du personnel. Nous répétons qu'au-delà des questions de justice sociale, c'est une très mauvaise décision, pour peu qu'on se soucie d'avoir un personnel communal motivé et ouvert aux nouvelles tâches imposées par cette période. Souhaitons que les responsables de cette décision s'en souviennent quand ils auront envie de critiquer l'avancement trop long de certains projets et que le refus du crédit qui devait être consacré les retiendra de déplorer une politique de communication insuffisante ou le manque d'informations papier reçues pour la partie de la population qui n'est pas touchée par les réseaux dits sociaux. Cette indexation partielle a été votée comme une mesure exceptionnelle motivée par l'autofinancement négatif. La part manquante devra donc être rattrapée l'an prochain et nous y veillerons. Finalement, les dégâts en sont essentiellement restés là. Des moyens ont été donnés à l'aménagement urbain comme aux constructions scolaires et le domaine de la culture n'a pas été sacrifié. Ce budget n'est plus celui présenté par la municipalité, il est encore moins le nôtre. Cependant, un refus du budget et même la tenue d'un second débat n'auraient guère de chance d'améliorer les choses. Le ou les mois perdus sans indexation risqueraient d'anéantir les avantages monétaires d'une nouvelle décision en janvier ou en mars, même si c'est une indexation de 3% qui l'emporte alors. Et sans budget, pendant un ou plusieurs mois, on l'a déjà dit, l'ensemble de l'administration serait paralysé. Et donc, pour ces raisons, à l'issue de notre discussion de groupe, nous nous résignons et voterons oui à ce budget, même si c'est à reculons. Merci. Madame Marquez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les municipaux, chers collègues. Il y a une année, jour pour jour, le PLR trouvait que le budget pour 2022 était trop déficitaire. Nous avons souhaité donner une chance au nouvel exécutif de se restructurer et de permettre une transition avec l'ancienne législature. Pour ces raisons, nous avons à l'époque accepté le précédent budget. Nous nous sommes retrouvés deux soirs pour débattre de 2023 et sommes inquiets de constater que le budget 2023 est non seulement déficitaire, mais en plus avec un autofinancement négatif. Dans un contexte conjoncturel difficile, nous devrions montrer l'exemple à la population et diminuer nos charges et ainsi fournir des efforts communs. Recourir à l'emprunt ne devrait pas être une solution. D'un côté privé, si on prend un exemple par rapport à un ménage lambda, c'est une porte ouverte au surendettement. Cependant, après des débats fructueux, certains postes d'économie ont été trouvés et nous saluons ces efforts. De ce fait, le groupe PLR, dans sa majorité, va s'abstenir. Merci de votre attention. Monsieur Schöbinger. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur cet autofinancement et le déficit abyssal que nous avons dans ce budget. Autofinancement toujours négatif. On nous demande pourquoi est-ce que c'est important. Il s'agit... pour moi, d'un respect aussi de celui qui contribue à rendre tout ce budget possible, c'est-à-dire le contribuable. Le deuxième, c'est aussi le respect pour nos enfants en leur laissant une dette raisonnable. Aujourd'hui, ces objectifs-là ne sont pas atteints et le groupe UDC va refuser le budget
en majorité. Merci. Madame Caruso-Eveco. La priorité du groupe des Verts est de trouver un accord budgétaire pour que les services de la ville, la municipalité et tous les acteurs concernés puissent avancer efficacement dans les nombreux projets à venir, comme la réalisation des objectifs du plan climat, l'accélération et la transformation des mobilités, etc. Les projets qui nous attendent sont nombreux et urgents. Nous le savons, en période de chiffres rouges, la tentation est grande pour certains et certaines de sabrer dans les acquis sociaux ou dans la solidarité. Nous regrettons vivement ces choix et certains amendements votés, mais nous respectons évidemment la volonté de cet hémicycle. Notamment, nous regrettons vivement que l'indexation n'ait pas été acceptée à 3%, comme par exemple pour la ville de la Tour de Paix. Nous souhaitons enfin remercier les membres de la Commission des Finances et les membres de l'administration pour tout le travail accompli. Finalement, nous espérons que lorsque nous nous retrouverons dans une année dans cette même position, la situation financière de la ville sera meilleure, bien que nous ayons conscience des grands défis en termes de charges, d'énergie et de projets conséquents qui auront lieu en 2023. Par conséquent, nous allons accepter ce budget tel qu'amendé. Madame Mourier. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous voilà arrivés presque au terme d'un très long débat. Ce débat a été important. Le groupe socialiste est bien conscient que parmi tous les défis de la ville, le défi budgétaire reste un problème de taille. Des finances équilibrées sont essentielles à terme pour mener une politique pérenne et remettre des institutions solides à nos enfants. C'est finalement ce qui guide notre groupe, prendre parti pour toutes et tous, c'est-à-dire assurer des prestations à nos citoyennes et citoyens à la hauteur de leurs besoins et prendre parti pour les générations futures. Et pour cela, chers et chers collègues, la ville a besoin de se doter d'un budget. Ce budget est nécessaire pour permettre à l'administration de fonctionner et de mettre en place les projets indispensables pour l'avenir de notre ville, ainsi que pour fournir des prestations telles que des crèches, des activités parascolaires ou pour se doter d'infrastructures sportives à la hauteur. Pour répondre aux besoins des générations futures, nous avons aussi besoin de toutes ces prestations qui permettent de vivre, de croître, de se rencontrer et aux citoyennes et citoyens de demain de grandir dans de bonnes conditions. L'absence de budget, elle, n'amènerait rien. Ce serait tout au plus un cri d'alarme, maintes fois répété, mais pourquoi ? Plusieurs amendements ont déjà été acceptés, de sorte que le petit équilibre est quasiment atteint. Un deuxième débat ne changerait rien à la réalité. Nous ne sommes maîtres que d'une partie minoritaire de notre budget. La conjoncture n'est pas favorable et explique en bonne partie l'accroissement de nos difficultés et notre marge de manœuvre est très faible. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que notre administration est déjà éprouvée et devra faire face, à la suite des décisions de ce Conseil, à une perte de salaire réelle de plus de 1%, ce que nous regrettons. Plus simplement dit, certains ici ont estimé qu'il n'était pas problématique que ce qui reste aux employés à la fin du mois diminue, qu'elles et ils se serrent la ceinture malgré leurs efforts conséquents. Leur demander de débuter l'année sans budget, de travailler dans l'incertitude avec moins pour trouver quoi répondre à ce conseil malgré que cela frise la quadrature du cercle, et vous le savez bien, mesdames et messieurs, cela friserait l'indécence. Ce débat était important et il a eu lieu. Les décisions qui devaient être prises l'ont été. Maintenant, allons de l'avant. Laissons la municipalité et son administration travailler au profit des habitantes et habitants de notre ville et au profit des générations futures. Chers et chers collègues, le groupe socialiste vous demande de faire preuve de responsabilité et d'accepter le budget tel qu'amendé. Merci. Madame Dor. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je pense que tout a été dit et soulevé avec de mes collègues présidentes et présidents précédents. Nous avons vu donc des positions défendre, nous avons vu des couacs. Nous avons vu des problématiques à soulever, par exemple, par la COGEST. C'était très fructueux, ces débats, ces échanges, ces affrontements. Nous, de Veuve Libre, on est presque satisfaits. Nous sommes à 50 000 francs de différence avec la COFI. On s'est dit qu'on suivait la COFI. Donc, avec un marge d'autofinancement à moins de 270 000 francs, ça nous semble être acceptable. Nous préconisons donc une acceptation du budget. Merci. Monsieur Bérard Decaux.
Souhaitez-vous vous exprimer ou quelqu'un du groupe En Avant Vevey ? Madame Gorayeb. Merci, chers collègues. En Avant Vevey est bien conscient que la municipalité a beaucoup travaillé cette année et on les remercie pour tous les projets qu'ils ont amenés. On voulait aussi remercier la COFI, mais aussi tous les membres de ce conseil, parce que étudier finalement ces longues et longues pages de chiffres, c'est quand même assez intense et on note pas non plus assez, je pense, notre travail et notre investissement en tant que conseiller communal. Donc je voulais tous vous remercier. Et puis finalement, peut-être qu'il y a eu des confrontations, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas si grave parce qu'on a quand même eu les débats, on a entendu les arguments, et ces arguments, on ne les oubliera pas. Et puis même si on a pris une position aujourd'hui, demain, peut-être qu'on ira plus dans le sens de la droite ou de la gauche. C'est égal, l'important, c'est juste d'avancer et puis de faire en sorte que les projets ils aient lieu. Et puis parfois, il faut faire des choix. Aujourd'hui, on les a faits, et du coup, on a vraiment apprécié ces premiers débats à propos du budget, puisque c'était la première fois pour notre parti qu'on s'engageait dans toutes ces discussions-là. Et par conséquent, nous, on votera oui, parce qu'on est très satisfaits d'avoir entendu tous les points de vue, et on espère que, du coup, la municipalité, bien sûr, fera toujours mieux, mais dans tous les cas, vous faites déjà super, et merci beaucoup. La municipalité souhaite-t-elle s'exprimer ? Monsieur Lucarini. Merci, monsieur le président. Merci à toutes et à tous pour vos interventions finales. Vous dire que la municipalité a pris acte de l'importance de la recherche de ce petit équilibre pour un débat encore plus serein et constructif, ceci quelle que soit la conjoncture. Nous regrettons quelques coupes, même s'il n'y en a finalement pas beaucoup, notamment une ligne correspondante à la communication, et principalement celle liée à l'indexation qui impacte négativement la situation des collaborateurs et collaboratrices communales, avec une baisse linéaire des salaires de 1% en raison d'une inflation qui s'est pour l'instant stabilisée à 3%. Mais nous préférons voir le verre à moitié plein et nous vous remercions de nous suivre, sous réserve du vote à venir, sur les nombreux projets inscrits dans ce budget 2023, en lien notamment avec la numérisation, la solidarité, la formation du personnel, les manifestations, le travail de notre vignoble, la médiation urbaine, la stratégie de durabilité, le développement de l'accueil de jour, la rénovation du bâti scolaire, l'accès à la piscine, les programmes pour la jeunesse, le soutien aux acteurs et actrices culturelles veuvezannes, l'entretien et la gestion du patrimoine financier, l'autonomie énergétique, l'aménagement de l'espace public, la mobilité ou encore la police des constructions. Nous y voyons d'une part une adhésion à notre programme de législature, mais également la volonté réaffirmée du Conseil communal de répondre à l'urgence climatique. Nous profitons également de cette occasion pour vous assurer à nouveau que nous travaillons à l'amélioration de notre situation financière, tout en étant conscients et conscientes que ces mesures déploient leurs effets sur la durée, contrairement à certaines augmentations de charges qui sont très subites. Nous réitérerons ainsi notre détermination à poursuivre notre travail sur l'efficience des prestations et l'amélioration de nos recettes, à mener dès le début de l'année 2023 des réflexions structurelles dans l'ensemble de nos services et à continuer les négociations avec le canton à travers toutes les instances où nous sommes représentés pour un meilleur rééquilibrage des charges canton-commune. Un budget qui plaît à tout le monde est un exercice difficile, voire impossible. Celui qui est maintenant soumis au vote final de votre Assemblée est composé de joie et de peine. On l'a entendu juste avant. Mais il n'en est pas moins indispensable. La municipalité vous appelle donc à accepter ce budget tel qu'amendé, car il nous permettra de déployer un service public qualitatif et efficient afin de répondre au mieux aux besoins de la population veuvezanne, aux besoins des visiteurs et des visiteuses de notre ville et de tous les acteurs et actrices associatives, culturelles, économiques et touristiques de notre commune. Enfin, avec votre vote, vous avez l'occasion, peut-être pour la dernière fois cette année, de témoigner, de concert avec la municipalité, votre reconnaissance à l'ensemble du personnel communal. Nous vous invitons à la saisir. Merci beaucoup pour votre attention. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'exprimer ? Monsieur Furst. Merci. Merci, monsieur le président. J'aimerais apporter une remarque très personnelle. En fait, je parle vraiment en mon nom. Mais en fait, c'est aussi la première fois que je participe à un débat sur le budget de notre ville.
Et puis, j'aimerais faire la remarque en disant que je suis d'accord avec la municipalité, on a plein d'ambitions, etc. Je ne les partage pas toutes, mais je suis beaucoup derrière certaines, je suis à fond derrière vous. Mais je suis un peu surpris et déçu du résultat global de tous ces amendements qui étaient proposés, qui, à mon sens même, des fois, n'ont pas été assez loin, mais ça, c'est mon avis personnel. Et parce qu'en effet, j'ai remarqué qu'en en comparant les budgets 2022 et 2023, on voit qu'on a des revenus stables et des dépenses qui sont également stables, à part quelques endroits où ça a augmenté. Et en fait, on maintient, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'on maintient un déficit de l'ordre de 8 millions, quoi, l'ordre de grandeur. Et puis ça, comme si c'était normal. Donc, on n'a pas vraiment d'argent, mais on dépense. Et puis, en fait, ce n'est même pas vrai, parce que si on regarde la ligne du budget, la ligne des recettes, par exemple, on voit que pour 2023, vous avez budgété 82 millions de recettes au lieu de 77 millions il y a l'année passée. Donc, ça veut dire qu'il y a des revenus qui augmentent. Donc, mais ça veut dire qu'on budgète des rentrées supplémentaires, mais en fait, pas par l'impôt, mais pas pour diminuer le déficit, non ? Pour maintenir des dépenses ou même peut-être les augmenter. Donc pour moi, même si le débat qu'on a fait est démocratique, le collège, notre collège actuellement, mais tous ceux qu'on est représentés ici, on passe à côté un peu de notre responsabilité. Responsabilité que nos électeurs ont mis sur nous quand ils nous ont élus. Parce que nos électeurs, eux, se battent tous les mois pour arriver à la fin du mois, au meilleur des cas, avec zéro. Puis nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on finalise un budget avec un déficit. Puis en fait, on montre notre exemple, c'est qu'en fait, on peut dépenser plus que ce qui rentre. Et ça, je trouve un peu désolant. Mais voilà, c'est très personnel. Et puis, je pense qu'on est passé à côté de notre responsabilité. Voilà, c'était mon avis personnel. Je vous remercie. Madame Despot. Merci, Monsieur le Président. Un budget avec une marge d'autofinancement négative n'est pas un budget équilibré, contrairement à ce qu'a dit le président de la Commission des Finances. Il n'est pas non plus un budget viable. Et il ne s'agit pas simplement de reconquête, c'est un terme que j'ai entendu de ce côté-ci. Il ne s'agit pas de reconquête que de viser des finances viables. Il s'agit simplement d'une saine vision durable, j'insiste sur le terme durable, de notre commune, dont les finances sont un pilier essentiel. Nous ne devons pas laisser une situation d'entêtement, voire de surendettement, vers laquelle on est en train de couler, à nos enfants. Nous avons demandé un effort aux employés de la commune, et je rejoins ici le discours que j'ai entendu, notamment de la part des socialistes, pour dire que cet effort n'était pas anodin. Car je pense que l'inflation est non négligeable et de limiter l'indexation à 2%, c'est demander un joli effort à nos employés. Et je ne vois pas pourquoi nous n'avons pas demandé cet effort aux autres dépenses. Je dirais même que cet effort aurait dû être soutenu à tous les niveaux par tous les bénéficiaires des finances communales. Cet effort a été anéanti par des propositions déplacées, notamment par une aide inopportune pour des activités culturelles. Pourquoi n'avons-nous pas reporté également cet effort sur les activités culturelles ? Non pas que cette aide soit inintéressante, on a très envie d'aider telle ou telle association, elle n'est juste pas adaptée à l'état de nos finances actuellement, nous n'en avons juste pas les moyens. Les chiffres rouges ça n'améliore pas en augmentant l'arrosage, et ne rêvons pas, nous n'aurons pas de situation meilleure en acceptant une telle proposition de budget. Je vous demande ainsi, très clairement, de refuser ce budget qui fait injure à la durabilité que nous recherchons tant dans cette commune. Quant aux confrontations, j'en ai entendu parler tout à l'heure, qui ont eu lieu au sein de notre conseil jeudi dernier. L'important est de pouvoir faire vivre des opinions opposées. Notre système démocratique est fondé sur le consensus. Il impose le respect des opinions diverses et opposées. Il n'est pas acceptable qu'une opinion adverse soit conspuée, qu'elle soit considérée comme honteuse parce qu'elle ne plaît pas à l'un ou l'autre des partis en présence.
Cette attitude n'est pas adaptée à la tradition démocratique dans notre pays et elle en est encore moins digne. Monsieur Telussot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux pas m'empêcher de nous rappeler que nous sommes une collectivité publique, nous ne sommes pas un ménage privé. Notre job, c'est de mettre à disposition des employés de cette collectivité publique et des habitants de cette collectivité publique les services et les prestations qui fonctionnent. Et que sommes-nous si nous ne soutenons pas la culture ? Ne sommes-nous que des tiroirs-caisses ? Il est donc absolument indispensable de donner à notre municipalité et à notre collectivité publique et aux personnes qui habitent à Vevey les moyens d'avoir une vie culturelle et des prestations dignes. La discussion n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. Je vais demander à mes scrutatrices de bien vouloir compter parce que j'aimerais protocoler le vote d'une manière que je juge satisfaisante. Celles et ceux qui acceptent le budget tel qu'amendé sont priés de lever la main et de la garder levée bien haut. Non, mais j'aimerais protocoler les chiffres. Au PV. Je vous remercie. Vous pouvez baisser la main. Vous pouvez baisser la main. Avis contraire. Je vous remercie. Abstention. Je vous remercie, vous pouvez baisser la main. Par 61 oui, 8 non et 21 abstentions, le budget tel qu'amendé est accepté. 21 abstentions. Je suis sûr que la municipalité et les services vous remercient. Bien, nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, le point 14 dans les communications. Vous pouvez rester là plutôt que de déranger toute la salle. Donc, plan des investissements 2022-2026. Donc, vous pouvez rester là, mais en silence tout de même. 2022-2024. La municipalité souhaite-t-elle prendre la parole et apporter des compléments à sa communication écrite ? Le plan des investissements. Tout est dit. Parfait. Donc, le point 14 est réglé. Pardon, monsieur Merci. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, remercier la municipalité pour ce travail qui est fastidieux, mais intéressant pour ce conseil. J'ai demandé en commission des finances que pour le prochain exercice, les nouveaux éléments ou les éléments qui sont changés soient mis en couleur, qu'on puisse mieux appréhender les modifications de ce plan des investissements. La municipalité a tout à fait acquiescé, donc ce sera fait pour l'année prochaine. Et pour ma part, j'ai trois petites remarques. La première, c'est notre piscine qui a grandement besoin, et on voit qu'elle figure au plan des investissements, mais que le montant est à pas chiffré, zéro. Enfin, même pas zéro, il est pas chiffré du tout. Le fameux parking de la gare, on nous dit qu'il est toujours d'actualité, mais là non plus, pas chiffré, donc toujours rien du tout.
Et c'est donc les trois remarques que je souhaitais faire par rapport à ce plan des investissements. La discussion n'est plus demandée, elle est close. Et nous avons terminé avec le point 14. Point 16, révision des conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale 2022-C26. La municipalité souhaite-t-elle prendre la parole et apporter en complément à sa communication écrite ? Visiblement pas. La discussion est ouverte. Monsieur Berchi. Désolé, vraiment désolé. Mais là aussi, j'ai une petite remarque. C'est le fait qu'avant d'envoyer une facture, on envoie 4 rappels. Même s'ils sont par mail, hein, je veux dire, on envoie 4 rappels pour demander aux gens de ramener le livre. Ça me paraît quand même un peu beaucoup, 4. Hein. La discussion n'est plus demandée. Je clôt le point 16. 17. Aide humanitaire et en cas de catastrophe, aide aux pays en voie de développement, année 2022-C27. La municipalité souhaite-elle ? Non. La discussion est ouverte. La discussion n'est pas demandée. Je clôt le point 17. Nous passons au point 18. Motion, postulat, projet rédigé et interpellation éventuelle. Et j'invite M. Truffer à venir nous lire son interpellation, mesures rapides et effets significatifs en faveur du climat. Mesdames, Messieurs, donc interpellation, mesures rapides et effets significatifs en faveur du climat. Mesdames, Messieurs, dans le nouveau plan climat dont notre ville s'est dotée, nous avons pu voir une liste conséquente de mesures dans de très nombreux domaines et nous nous en réjouissons. Si certaines d'entre elles auront des impacts importants, elles nécessiteront cependant des années de travail à la municipalité. Au vu de l'importance du changement climatique qui nous affecte dès maintenant, notre groupe désire obtenir plus d'informations sur les mesures les plus rapides à concrétiser, à savoir les mesures les plus faciles à mettre en œuvre en termes de complexité et de financement, tout en ayant un impact notable. Pour ce faire, nous avons sélectionné 5 mesures représentatives et sur lesquelles il nous semble pertinent d'agir rapidement. La première, dans la section énergie, bâtiments et infrastructures, c'est la mesure mettre en place des systèmes d'extinction automatique de certains éclairages d'infrastructures communales. La suivante, diminuer la température des locaux communaux à 18 degrés plutôt que 22 en période de chauffage par devoir d'exemplarité. Dans la section mobilité et transport, augmenter le nombre de places publiques sécurisées pour stationner les vélos et vélos cargo. La suivante, créer de nouveaux aménagements pour améliorer la sécurité et le confort des cyclistes. Dans la section modes de consommation, production alimentaire et déchets, exiger une alimentation de saison locale, biologique et d'origine végétale dans les établissements de restauration collective dépendant de la commune. Et nos questions à la municipalité sont les suivantes. La première, la municipalité s'engage-t-elle à mettre en œuvre ces 5 mesures dans un temps court, au plus tard en 2023, au vu de leur simplicité comparée à la plupart des autres mesures du plan climat ? Deuxième question, quelles sont les étapes qui sont prévues pour la mise en place de ces 5 mesures et quelles sont les échéances? Troisième point, de manière générale, la municipalité privilégiera-t-elle d'agir dans les mesures du plan climat dans le critère effet climatique attendu et plus grand que le critère complexité de mise en œuvre afin d'obtenir le maximum d'effets le plus rapidement possible? Sinon, quels critères seront utilisés dans le choix des mesures à privilégier? Pour le groupe Verts Libéraux, le Centre, le sous-signer. La municipalité souhaite-t-elle répondre immédiatement? Madame Kempf. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette interpellation. Vu la précision des questions, on va apporter une réponse précise, écrite. Merci. Parfait. Dans ce cas, nous aurons le débat et la discussion la prochaine fois. Monsieur Truffer, je vous remercie. Et pour le suivant, est-ce que je reste ? Oui, vous pouvez rester pour le suivant, en effet. Donc, nous passons à la deuxième interpellation de Monsieur Truffer pour un altruisme efficace. Alors, cette fois, sur un autre sujet, justement ce sujet sur l'aide humanitaire en cas de catastrophe et l'aide aux pays en voie de développement.
Donc chaque année, la municipalité nous informe de l'utilisation des postes budgétaires, donc aide humanitaire en cas de catastrophe et aide aux pays en voie de développement. Ces dernières années, il s'agissait d'un montant de 100 000 francs et nous l'avons aujourd'hui augmenté à 125 000. À la lecture de ces communications, je suis toujours interloqué par le choix des différentes organisations qui bénéficient de ces montants de la part de la ville et me demande si les choix réalisés sont vraiment les plus pertinents en termes d'efficacité. En effet, la bonne volonté n'est pas suffisante pour aider au mieux le plus de personnes possible et choisir les organisations qui nous touchent le plus émotionnellement n'est pas un bon moyen d'effectuer des choix pertinents. À titre d'exemple, une opération de la cataracte dans un pays pauvre coûte environ 1 000 francs et permettra à une personne de ne pas devenir aveugle, alors que former un chien d'aveugle dans nos pays coûte environ 40 fois plus et ne bénéficiera qu'à une seule personne aveugle, souvent dans un pays riche d'ailleurs. Un autre exemple, distribuer pour environ 7 500 francs de moustiquaires contre la malaria permettra en moyenne de sauver la vie d'une personne dans un pays pauvre, alors que dans nos pays riches, nous dépensons souvent des centaines de milliers de francs pour obtenir le même résultat. Nos questions à la municipalité sont donc les suivantes. La première, comment la municipalité choisit-elle les organisations qu'elle décide de soutenir financièrement et quels critères utilise-t-elle pour cela? La deuxième question, combien de temps au total est investi dans le choix de ces organisations? Et finalement, troisième question, pourquoi la municipalité ne choisit-elle pas de se fier aux recommandations d'organisations comme GiveWell ou encore The Life You Can Save, dont l'unique rôle est de faire ce travail d'analyse extrêmement compliqué pour finalement faire des recommandations éclairées. En choisissant de se fier aux recommandations d'organisations expertes dans ce domaine, non seulement la municipalité économisera du temps pour se concentrer sur des tâches bénéficiant aux personnes qui habitent Vevey, mais elle nous permettra également d'être peut-être 100, voire 1000 fois plus efficace et d'aider d'autant plus de personnes à travers le monde. Si nous pouvons aider un plus grand nombre de personnes avec ces montants que nous choisissons de donner, alors nous avons l'obligation de le faire. Pour le groupe Verts Libéraux Le Centre, le sous-signé. La municipalité souhaite-t-elle répondre immédiatement? Monsieur Lucarini. Merci, monsieur le président. Oui, je crois que c'était ce qui était souhaité dans le texte. Alors, pour la première question, merci à l'interpellateur pour ces questions. Première question, comment la municipalité choisit-elle les organisations qu'elle décide de soutenir financièrement et quels critères utilise-t-elle pour cela? Donc, pour la partie aide au développement, on réserve en principe 50% du budget à la FEDEVACO, donc la Fédération Vaudoise de Coopération, et 50% pour répondre à des demandes d'associations suisses, si possible veuvezanes ou régionales actives dans l'aide au développement. L'attribution se fait en deux tranches, deux fois par année, dans une proposition à la municipalité, ce qui donne lieu à cette communication en fin d'année. Pour l'aide en cas de catastrophe, sans surprise, on l'attribue au coup par coup en fonction des catastrophes et demande de fonds y relatifs par des organismes professionnels et reconnus, tels que la chaîne du bonheur ou la Croix-Rouge. La deuxième question, combien de temps au total est investi dans le choix de ces organisations? Donc, concernant l'aide au développement pour les 50% du budget attribué à la FEDEVACO, c'est donc cette fédération qui nous fait des propositions de projets, qui fait ses propositions au secrétariat municipal. Les projets émanent d'organisations membres de la FEDEVACO, donc qui répondent à des standards de qualité et font eux-mêmes l'objet d'un examen et d'un suivi par la FEDEVACO. Lorsque c'est possible, celle-ci inclut dans sa proposition des projets d'organismes veuvezans ou régionaux. Les autres critères sont diversité en termes de thématiques, par exemple santé, éducation, alimentation, accès à l'eau potable, etc. Et de régions du monde, Afrique, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Une attention particulière est aussi donnée à la continuité, c'est-à-dire le soutien de certains projets sur plusieurs années. Le secrétariat municipal a développé un partenariat étroit avec la FEDEVACO depuis 2002, donc depuis, on a fêté les 20 ans cette année, et fait confiance à son professionnalisme dans la sélection des projets, ce qui permet au secrétariat de faire une sélection relativement rapide, le gros du travail étant effectué en amont par la FEDEVACO. Concernant l'autre 50% qui est attribué selon les demandes adressées à la ville, le choix se fait sur la base d'une grille d'évaluation. Le secrétaire municipal soutient l'effort d'organisation suisse, prioritairement et en grande partie basé à Vevey et dans la région. Les critères d'attribution, en plus d'une diversité thématique et régionale, sont le soutien à des organisations locales ou régionales qui impliquent les populations locales.
Dans ce cas, le secrétaire municipal étudie les dossiers et veille aux aspects budgétaires et à la qualité de la documentation et des rapports. L'organisation doit fournir une description détaillée du projet, ses comptes, son budget et les modalités de suivi. Certaines organisations sont soutenues régulièrement, ce qui permet le développement d'un lien de confiance et le suivi sur le long terme de certains projets. Cela réduit aussi le temps d'examen des dossiers. L'examen approfondi de l'organisation est en fait la première fois. Par ce biais, donc, la ville de Vevey soutient aussi le tissu associatif veveysan et régional. Nous recevons en moyenne une vingtaine de demandes par année et répondons positivement, en moyenne toujours, à une dizaine. Concernant l'aide en cas de catastrophe, le secrétaire municipal répond en général aux appels de fonds, je l'ai déjà dit, les organismes professionnels, Chaîne du Bonheur, Croix-Rouge, pour répondre à des besoins humanitaires liés à des catastrophes qui sont par définition non prévisibles. Donc, j'en viens sur le temps total annuel investi pour sélectionner les organisations et projets de développement et humanitaire peut se chiffrer habituellement à environ 3 jours par année. Le processus impliquant 2 personnes, cela fait 1 jour et demi par personne. S'il y a des nouvelles organisations dans les propositions, cela peut prendre un peu plus de temps, comme je l'ai dit avant, pour faire les vérifications et demander des précisions. Cela est sans compter la rédaction des 2 propositions municipales annuelles et du rapport au Conseil et autres travail administratif de liaison et correspondance avec les associations, auxquelles on pourrait ajouter réponse aux interpellations. Pour ceci, il faut ajouter 1 jour environ, soit 4 jours au total. Néanmoins, il est à noter que ces heures de travail bénéficient aussi à des associations veveysannes, comme mentionné précédemment. Troisième question. Pourquoi la municipalité ne choisit-elle pas de se fier aux recommandations d'organisations comme GiveWell ou encore The Life You Can Save, dont l'unique rôle est de faire ce travail d'analyse extrêmement compliqué pour finalement faire des recommandations éclairées? Passer par des organismes tels que mentionnés par le suggéré par l'interpellateur ne pourrait pas se faire les yeux fermés, le secrétariat n'ayant pas travaillé avec eux, et demanderait aussi une étude approfondie de ces organismes, une analyse de leur démarche et des projets soutenus. Par ailleurs, et non des moindres, cela signifierait faire des donations à des ONG, en général non basées en Suisse, mais dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Ceci ouvre toute une palette de questions en matière de suivi et de modalités pratiques. Accessoirement, cela signifierait aussi se couper des retombées de l'aide au développement en Suisse, emploi, commande de matériel, au profit d'autres pays européens ou des États-Unis. À ce titre, l'exemple de la fondation Diger de Tavannes, internationalement renommée, est significatif avec des emplois et commandes de matériel pour la confection de machines de déminage. Cela dit, la FEDEVACO peut s'apparenter à ce type d'organisme à l'échelle vaudoise du fait qu'elle canalise les financements vers des associations et projets qu'elle a dûment étudiés, garantissant la qualité et le suivi. Pour rappel, la Fédération vaudoise de coopération est une fêtière de 48 organisations actives dans la coopération au développement. Elle met depuis plus de 30 ans son expertise et son savoir-faire au service des collectivités publiques. Garante de l'utilisation optimale et transparente des fonds publics, la FEDEVACO agit à l'interface des pouvoirs publics de ses organisations membres et de leurs partenaires locaux. La Confédération, l'État de Vaud, ainsi que 50 communes vaudoises ont noué un partenariat avec la Fédération. Dans le cadre de l'augmentation du budget au développement de la ville, il est effectivement envisagé de recourir davantage à la FEDEVACO. Une autre question à l'étude est la possibilité de faire des plus grosses contributions à un nombre réduit d'organisations pour maximiser l'impact, ce qui aurait aussi comme effet de diminuer le temps de traitement des dossiers. Ceci dit, soutenir directement quelques associations veveysannes et régionales de petite taille restera une priorité. Effectivement, cela permet de soutenir le tissu associatif de notre ville et de répondre aux demandes des citoyens et des citoyennes. De plus, notre appui représente aussi une réelle valeur ajoutée pour ces organisations. Par exemple, 3 000 francs donnés à une organisation veveysanne sera un réel plus pour son projet par rapport à ces mêmes 3 000 francs donnés à une ONG suisse de moyenne taille ou à une grosse ONG étrangère, ce qui semble être proposé par l'interpellateur. S'il y a un intérêt pour ce conseil, nous pourrions proposer d'inviter une fois la FEDEVACO à faire une présentation avant le conseil communal aux membres de ce dit conseil. À vous donc. En option... C'est un peu la question qui n'est pas là, mais un message optionnel sur la question de l'efficacité mise en avant par l'interpellateur. L'efficacité est en effet essentielle, mais elle doit être aussi bien définie. Une efficacité immédiate ne l'est pas forcément à long terme. Une intervention doit être efficace et durable.
C'est-à-dire que les modalités d'appui sont importantes et passent par l'implication des acteurs locaux et souvent par des interventions de renforcement des capacités. Ces modalités d'intervention sont effectivement plus difficiles à analyser qu'un nombre de moustiquaires octroyés ou qu'un nombre de puits creusés. Cet aspect fait partie des critères d'attribution choisis par la ville de Vevey. Avoir des partenaires de proximité et de long terme permet de s'assurer que cette approche est respectée. À titre d'exemple, les moustiquaires sont effectivement un moyen très efficace et prouvé scientifiquement pour lutter contre la mortalité dans les pays où sévit la malaria. Déverser des cartons de moustiquaires dans des villes ou villages aura certainement un impact positif sur la mortalité. Mais cet impact positif peut être plus grand et multisectoriel s'il est fait sous l'angle de la durabilité. Par exemple, si l'organisme chargé du projet vise l'implication et le renforcement des capacités locales pour la fabrication des moustiquaires, en plus d'une disponibilité de moustiquaires sur le long terme, il y aura aussi des retombées économiques. Et si la distribution des moustiquaires se fait via le réseau de dispensaires et les services de santé locaux, conjointement à une campagne d'information sanitaire, cela contribuera aussi au renforcement des services de santé en général, avec comme autre résultat une population mieux soignée, mieux informée et plus apte à prendre en charge sa santé. Ainsi, l'efficacité à long terme passe aussi par l'implication et le renforcement des capacités locales. C'est aussi à cela que la ville de Vevey contribue en travaillant avec des organisations suisses et locales de petite et moyenne taille qui ont cette préoccupation au centre de leurs actions. Merci pour votre attention. Monsieur Truffert, la réponse de la municipalité vous satisfait-elle ? Alors, merci pour cette réponse. Cette réponse me satisfait moyennement pour une raison relativement simple, c'est qu'à plusieurs reprises, on parlait de privilégier les organisations veuvezanes ou alors de soutenir le tissu associatif régional, ce que je trouve assez étonnant quand on parle justement de soutien aux pays en voie de développement ou de l'aide humanitaire en cas de catastrophe, et on nous parle de soutien en fait d'associations veuvezanes. Donc si on cherche vraiment une efficacité pour les personnes qui souffrent et qui en ont besoin, on ne devrait pas avoir comme critère le fait de dire « cette association est veuvezane » ou « cette association est vaudoise ». On devrait plutôt avoir à cœur de se dire quelle est la plus efficace vis-à-vis des personnes qu'on désire aider et pas vis-à-vis de l'origine de l'association qui va fournir une aide plus ou moins efficace pour ces différentes personnes. Donc, ce que je demanderais, c'est qu'au moins, à l'avenir, pour les prochaines années, essayez d'analyser les différentes recommandations des associations des différents organismes que j'ai cités, qui me semblent faire un travail particulièrement important et puis pertinent. Et ça sera intéressant de voir quelques organisations soutenues dans ce cadre-là. Donc, quand vous dites que la réponse vous satisfait moyennement, c'est bien du point de vue idéologique, vous ne demandez pas une réponse écrite. Bien. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole ? Non. Dans ce cas, la discussion est close et nous passons au point suivant. Je vous remercie, Monsieur Truffert. Monsieur Christen, je vous invite à venir lire votre interpellation des terrains de football naturels pour rester ou revenir aux valeurs sûres. Personne n'ignore que notre ville est sous-dotée en terrain de sport, en particulier pour la pratique du football. Le Vevey Sport se voit contraint régulièrement de refuser des juniors, faute d'infrastructures suffisantes. Les terrains de la SOSA étaient censés créer un appel d'air et soulager nos clubs sportifs, mais dans la pratique, c'est avant tout Montreux qui en profite. La tentation est ainsi devenue grande de tomber dans des solutions de facilité qui pourraient se révéler infructueuses à terme. C'est ainsi qu'on apprend dans le rapport de la Commission des finances sur le budget 2023 qu'une réflexion est en cours pour transformer Copéen en synthétique, alors qu'aussi bien la ville que le club usager principal s'étaient refusés jusqu'ici, avec sagesse, de sacrifier le dernier terrain au gazon naturel pour lui préférer un système hybride. Le synthétique présente des avantages incontestables en termes de fréquence d'utilisation, mais cela s'arrête là. D'aucuns ont par le passé laissé entendre qu'il était écologiquement plus intéressant. Les défenseurs des produits pétroliers et de leurs dérivés plastiques sont décidément très forts. Mais il est aujourd'hui démontré que les gazons naturels, bien pensés, ne consomment pas beaucoup plus d'eau et de produits phytosanitaires que les pelouses synthétiques. Par contre, les micropolluants
et les produits chimiques contenus dans les fibres synthétiques nuisent à la santé. Et les terrains synthétiques favorisent le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Sur le plan de la pratique du football, jamais aucun terrain synthétique ne remplacera du gazon naturel. Ce n'est pas un hasard si en Angleterre, les pelouses plastiques sont interdites dans les 4 premières divisions et en France dans les 2 premières divisions. La pratique professionnelle du football sur des surfaces synthétiques entraîne des traumatismes musculaires, torsions et stress au niveau des articulations, brûlures qui finissent par laisser des traces au niveau d'organismes déjà lourdement sollicités. Aux Pays-Bas, les principaux clubs militent pour la suppression des terrains synthétiques dans les 2 divisions professionnelles. Ils vont même jusqu'à contribuer financièrement à l'entretien des pelouses naturelles de leurs adversaires dans le championnat néerlandais. Gardons-nous donc de prendre une route que les nombreux usagers s'efforcent de quitter. Dès lors que nous avons décidé de renoncer à l'affectation sportive des terrains de la Verderaie et de choisir d'y développer une zone artisanale, nos possibilités de trouver un nouveau site pour des terrains de sport s'est malheureusement réduite à peu de choses. Ce peu de choses, c'est le terrain de Coppet 3. Certes, l'espace est insuffisant pour y faire un terrain aux dimensions réglementaires, pour des rencontres d'équipes élites, mais on peut y remettre en état un vrai terrain d'entraînement, ce qui manque cruellement à Vevey. Nous avons l'occasion de transformer positivement l'abandon du projet de construction d'un collège. Dans ce contexte, nous posons les questions suivantes. 1. Quel type de consultation d'experts et d'usagers la municipalité va-t-elle entreprendre avant de décider du sort de la surface du terrain de Coppet 1 ? Va-t-elle notamment y intégrer une dimension environnementale et sanitaire avant toute prise de décision ? 2. Quelle est la position de la municipalité sur les réflexions développées dans cette interpellation au sujet des revêtements synthétiques ? 3. La municipalité partage-t-elle les préoccupations des interpellateurs sur le réaménagement de Coppet 3 ? Et 4. Si oui, quelle démarche et dans quel délai la municipalité entend-elle entreprendre pour concrétiser ce projet ? Et 5. Sinon, quelles mesures la municipalité entend-elle prendre pour résoudre ce problème de terrain de football ? Pour le groupe Vevey Libre, votre serviteur. L'interpellateur souhaite une réponse écrite au vu de la complexité des questions. Je suppose que la demande est appuyée par l'ensemble du groupe Vevey Libre. Très bien. Dans ce cas, nous aurons la discussion la prochaine fois au moment de la réponse de la municipalité. Monsieur Christen, je vous remercie. Nous en avons donc fini avec le point 18 et nous passons au point 19, questions et propositions. Monsieur Gontier, vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, d'abord une première petite chose. Je ne vais pas faire une analyse du pourquoi et du comment, mais j'aimerais souligner que en 2018, le budget a été traité par 76 présents. En 2019, il y a eu 3 séances. Donc la première, 81 personnes, 86 à la deuxième, 74 à la troisième. En 2020, 79 et 76 pour les 2 séances. Et en 2021, 85 et 76. Donc notre score du vote final à 90 présents et, sauf erreur, 92 ou 93 à la première séance est relativement un record. Et je pense qu'on peut s'en féliciter. Deuxième chose, j'ai une question qui concerne le festival d'Ibiscoum. On a d'abord eu des annonces fracassantes, trois jours. Après ça, un article de 24 heures qui dégonfle un peu la chose, notamment réduisant de 3 jours à 2 jours la durée du festival. Ce qui n'est pas clair pour moi aussi, c'est la fonction de ce festival. C'est annoncé comme devant soutenir le club de foot, mais l'organisation d'un festival, c'est aussi un métier dans lequel tout le monde ne réussit pas, et sauf erreur, le festival de cette année a été déficitaire, donc côté soutien, c'est pas assuré, c'est pas sûr qu'ils remplissent cette fonction-là. L'autre problème potentiel, c'est aussi l'overdose de festivals, d'autant plus si leur durée continue à s'accroître. On sait que cet été 2022 a été assez lourd pour la population qui avoisinante de la place du marché et du rivage.
Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Enfin, les promoteurs annoncent un préavis favorable de la municipalité, entre guillemets. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il eu des contacts? Et où en sont-ils? Merci. Je suis sûr que le fort taux de présence est dû au charisme naturel de votre président. Y a-t-il... Lequel? Bonne question. La municipalité souhaite-t-elle s'exprimer? Madame Kempf. Merci pour cette question. Ce sera l'occasion de clarifier peut-être des questions que se posent beaucoup de personnes. Donc, nous avons une personne qui s'occupe de la coordination des manifestations à la ville de Vevey, dont la porte est presque toujours ouverte pour accueillir les demandes, pour tâter le terrain, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, etc. Ce qui a été fait par l'organisation Vibiscum avant qu'elle se présente comme Festival Vibiscum, comme on en entend parler, l'été dernier, et puis effectivement un petit périmètre a été préavisé favorablement pour aller de l'avant, pour se projeter. Maintenant, très récemment, on a découvert, peut-être 2 jours avant vous, l'ampleur en fait, des ambitions de l'organisation du festival. Et puis, la municipalité, on a délibéré, consulté ses services. Et puis du coup, en fait, le préavis favorable qui avait été donné en octobre ne correspond plus en fait à ce qui a été publié. Et on est en train de remettre, la municipalité donne un cadre dans le temps et dans l'espace dans lequel ça peut se faire avec une exigence de coordination, de qualité, de circulation, avec quelques garanties avant de pouvoir traiter la demande officielle d'autorisation. Donc voici où nous en sommes. Quelqu'un souhaite-t-il encore prendre la parole sur Vibiscum? Non? Si, Madame Dor. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que nous tous, on est un peu surpris de voir ce Vibiscum communiquer d'une telle façon et mettre notre municipalité dans une position un peu désagréable. J'aurais juste le souhait que vous réfléchissiez à notre environnement, au bruit, à la sobriété, à la, comment dire, les ressources. C'est quand même un truc gigantesque que Vibiscum a présenté sur les réseaux et puis sur Internet, et on est très, très curieux de voir ce que la municipalité va décider. Merci. Madame Despot. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que Madame Dor a dit à peu près ce que je voulais indiquer. On a eu des gros soucis avec le festival local pour diverses raisons. D'une part, parce que son organisateur ne suivait visiblement pas les règles du jeu. Et d'autre part, parce qu'on avait une musique qu'on pouvait difficilement appeler musique, qui était totalement dissonante et même si on appréciait ce genre de musique, elle n'était pas supportable dans la mesure que les scènes entre elles interféraient. Donc je pense que c'était en fait acceptable pour personne. Et j'aimerais bien qu'on soit très attentif à ce qui s'est passé, qu'on en tire une leçon pour qu'on ne vienne pas avec le même genre de problème et le même genre de soucis au Jardin du Rivage, parce qu'il faut bien dire que les personnes qui habitent à proximité de ce jardin en ont un petit peu assez. Monsieur Vallotton, sur un autre sujet. Pardon, alors dans ce cas, d'abord Monsieur Delenbach. Je m'excuse. Voilà, je voudrais juste rappeler à l'Assemblée et spécialement aux intervenants qui ont peur des différentes manifestations de la ville. Effectivement, on peut en avoir peur et on en a tous eu les hauts et les couleurs avec le festival local, même si ça reste un festival pour les jeunes et il faut encourager ces festivals. Moi, je pense que Vevey Vibiscum, ça a l'air d'être quelque chose de bien.
Moi, je l'ai vécu cette année. Je trouvais que c'était pas si déplaisant que ça. Et je pense que la municipalité doit effectivement se pencher sur les modalités de l'acceptation d'un festival pareil. Mais je pense que Vevey a tout à y gagner. Et on a une réputation aussi, voilà, on l'a dit ce soir, dans la culture. Pour moi, Festival Bibiscum, ça fait partie de la culture. Et il faut encourager ce genre de festival dans notre cité. On a tout à y gagner. Voilà, alors moi, je suis totalement pour. Monsieur Furst, c'est le même sujet ? Oui, sur le même sujet. Moi, j'ai eu la chance de participer au concert d'Elton John sur la place du marché il y a bien quelques années, et franchement, c'était un moment incroyable et extraordinaire à Vevey. Donc moi, je pense que si on pouvait, enfin, ce que j'en ai vu dans la presse, maintenant, je ne connais pas le projet en détail, mais de voir en fait une grande scène au bord de la place du marché, bah, moi, ça me parle. Et puis, à un moment donné, j'ai envie de dire à la municipalité, la culture qui coûte et qu'on doit subventionner, vous êtes d'accord, mais quand c'est un projet qui peut-être, certainement, ne vous demandera pas de subvention, parce que il est comme ça, monsieur... donc voilà, donc moi je pense qu'à un moment donné il faut aussi choisir ses combats. Moi je suis pour la culture, j'ai toujours dit oui à la culture, et ben je pense que la culture elle est aussi bonne que ça vient d'une personne de droite. Non, alors s'il vous plaît, on parle quand on a la parole et on ne oublie pas ses camarades. Madame Mourier. Non mais c'est juste pour dire que subvention, je suppose que la ville va offrir deux, trois choses, parce que sinon j'ai quand même l'impression que l'espace public risque de coûter très très cher pour un événement comme celui-là. Donc on peut aussi dire que c'est une partie de subvention, il faut juste faire un tout petit peu attention avec les mots. Madame Vincent. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je rappelle juste qu'il est 11h moins quart. Et on ne va pas encore débattre ce soir sur le festival Vibiscum. Donc, je remets la parole au président d'en décider. Je vous remercie. Le président va donc la donner à Monsieur Valentin sur notre sujet. Ah, voilà. Alors, ça marche ? Ah oui. Alors, j'ai trois bonnes nouvelles. C'est bientôt fini. Samedi, il fait beau. Et samedi aussi, il y a le marché de Vevey-Orient avec la fête du nouveau quartier. Il y aura 30 stands. Il y aura de la musique, des chants, il y aura plein d'artisanes, d'artisans. Il y aura un spectacle de contes pour les enfants à 14h30 au chapeau. Et il y aura le café et le croissant offert à partir de 10h le matin. Donc vous savez, vous allez tous le samedi 17. Merci beaucoup. La discussion n'étant plus demandée, je clôt le point 19. Et ne partez pas, même si nous arrivons gentiment à la fin de cette séance, puisque cette séance a quelque chose de particulier. C'est la dernière séance de notre huissier, Monsieur Corniolet. Monsieur Corniolet, je vous remercie pour toutes ces années de bons et loyaux services. Et ça va faire très bizarre de ne plus vous avoir à la prochaine séance, puisque vous faites presque partie du décor. Alors, je vous remercie encore une fois. Et je vous souhaite une bonne retraite. Et j'ai quelque chose à vous remettre. Monsieur Lucarini.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais aussi vous dire un mot, Monsieur Cornelet. On se voit encore la semaine prochaine. On aura l'occasion de vous célébrer à l'Hôtel de Ville. On sera un petit peu moins pour applaudir. Mais je voulais juste raconter deux petites anecdotes. D'abord, vous remercier de ce dévouement à mettre ce costume. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai deux souvenirs très rassurants où vous m'avez accompagné le 1er août. En tant qu'huissier, et puis aussi pour le cortège de la Saint-Martin, que j'ai trouvé, moi, assez impressionnant. C'était la première fois que je défilais au milieu de la foule. Mais c'est très rassurant de vous avoir à nos côtés à ce moment-là. Et puis, l'autre anecdote un peu plus légère, c'est que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2010, j'ai eu un peu la lubie de me présenter à la municipalité tout seul. Je ne connaissais personne. J'ai téléchargé un dossier où était le chercheur à l'administration. Puis je ne comprenais pas bien comment il fallait le remplir. Et vous m'avez reçu, vous étiez intendant à l'époque, vous m'avez reçu dans votre bureau pour m'expliquer toutes les démarches. Et j'ai envie de dire aujourd'hui que vous m'avez plutôt bien conseillé. Alors, merci beaucoup. Bien. Je vais maintenant clore cette séance et je vous retrouve au caveau. Je suis certain que vous connaissez tous le chemin. Je lève la séance.